Bienvenue à tous, bonjour à toi YouTubeur, non pas YouTubeur mais regardeur de YouTube, j'espère que vous allez bien. Toujours la même chose pour vous dès le début, merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos messages. Je dois prendre un petit peu de temps pour répondre ou mettre des petits pouces bleus sur vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me disent bon courage ou merci pour la vidéo, notamment. Ça fait toujours plaisir, c'est cool. Donc ouais, bienvenue à tous ceux qui découvrent aussi la chaîne. Et voilà, merci à vous les gens sur YouTube, merci beaucoup. Continuez de me soutenir, ça fait plaisir. On continue. Je mets sur Twitter que je suis en ligne. Coucou Beigno, déjà présent. J'arrive, j'actualise rapidement la page. Nice. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On est pas mal là, on commence à s'installer tranquille. Putain, j'ai froid, bordel. Pardon, je suis complètement décalé aujourd'hui. J'ai passé une nuit, enfin une soirée, une nuit hyper, comment dire, bizarre, non? Mais je me suis couché à 21h40, j'ai éteint l'ordi. Je suis allé me coucher, je me suis endormi un quart d'heure après. Je me suis réveillé à 4h30 du matin. Du coup, bah, je suis descendu devant l'ordi. J'ai écouté de la musique, j'ai traîné, j'ai regardé des streams, notamment le Awesome Games Done Quick, les speedrunners pour l'association pour l'avancée de la recherche contre le cancer. Et ouais, debout depuis 4h30 ce matin, mais là, à 11h30, j'ai eu un coup de barre, donc je suis allé me coucher à 11h30 et j'ai mis un réveil à 12h50. Donc je suis réveillé à peu près. Je suis sorti du lit depuis 13h. Donc ouais, moi c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre cette journée, complètement à l'arrache, complètement décalée. T'as des nuits comme ça, tu comprends pas pourquoi t'es coupé, décalé. Salut Kranchki, ouais, bah la qualité a décidé aujourd'hui. C'est cool. Monsieur Chapati, hello. Pas de soucis, Sim. Pas de soucis, pas de soucis. Travaille bien. Bon courage à toi pour aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas compris. Salut Girozor, donc voilà, je me suis réveillé il y a 45 minutes d'une sieste de 1h30, 2h. Donc, c'était un peu chill en début de stream aujourd'hui, avant que je me réveille totalement. Et je vais beaucoup bâiller parce que même quand je ne suis pas ou que je passe des bonnes nuits, je bâille toujours pendant les streams. Je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai un viewer au Japon. Je sais plus. Non, j'allais dire Domo arigato ou arigato gozaimasu. Mais je ne sais même pas si ça veut dire bonjour ou si mais c'est merci. Oui, ah oui, non, mais mais bon, couché à 10h. À 10h, je dormais vraiment et levé à 4h30 du matin. Bon. Voilà. Fait combien ça? Ça fait du 6h30 de sommeil. Il manquait juste un petit complément. Et c'est ce que j'ai fait de 11h à de 11h30 à 13h, on va dire. Donc, ça ira très bien. Coucou Sergent Keep également. Ah, c'est merci. Donc voilà, messieurs. Bah, et du coup, hier, j'ai juste fait quoi? J'ai juste regardé 2-3 transferts, je crois. J'ai avancé deux. Non, bah, j'ai même pas avancé d'un jour parce que j'ai arrêté hier à la Saint-Valentin. Maintenant, on est le 16 février parce que je viens d'avancer.
Donc ouais, non, pas d'avancement hors stream. En même temps, c'est que j'ai pas réfléchi, mais en un jour, j'allais pas faire 20 000 choses. Donc on va continuer à avancer ensemble, messieurs. Allez, café, hein. Fais le taf aussi, mon cher café. Les aspects les moins... Qu'est-ce qui se passe? Problème de cohésion ces derniers temps. Ah. C'est la vague de recrutement, peut-être, qui fait un effet pas forcément positif, j'ai l'impression. D'accord. Ah putain, je l'ai pas fait hier. Quelqu'un me l'a dit hier, je l'ai même pas fait. Voilà. Voilà. Ah merde, je suis allé dans l'enregistrement. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah purée, mais j'ai froid. T-shirt, pull, veste. Il faut quoi? Je stream en doudoune? C'est quoi le projet? Je me suis enlevé le chat de... et oh la voix, on se reconnecte. Reconnected, voilà, bonjour. Salut Olanus, j'ai acheté le jeu genre un mois après sa sortie, j'y ai pas joué une seule minute. Et Olanus, on va remédier à ça dès aujourd'hui alors. Coucou ADM. Ouais, c'est toi ADM, on en parlait hier, j'ai complètement zappé. Coucou Alichette. Salut à tout le monde qui arrive. Quelle bonne petite drogue le café, bordel. Donc salut tous les drogués hein, dans le chat, bien évidemment. C'était pas ma meilleure transition, mais bon. Alors, Lou Portugal. Parce que c'est important, hein. Un latéral droit, un défenseur central, qu'est-ce que vous avez en tête de gondole, messieurs, s'il vous plaît? Quelle est la promo du jour? Le Ruskov, c'est ce que je viens de regarder, c'était pas foufou. Oui. Bah lui, il me plaît bien, en fait, hein. Le petit Alex Pinto, est-ce que j'ai un peu de sous de côté? Parce que là, je commence à quand même taper dans les réserves. Comme on dit, ça me fait oui, mais bon, il y a besoin, il y a bon, comme on dit. Hein. C'est pas énorme. Est-ce que ça vous va, messieurs? Les dirigeants du SLB considèrent que l'offre pour Alex Pinto est acceptable et sont contents de la rapidité des négociations. Maintenant, reste à convaincre le joueur du projet. C'est un excellent profil. Attention, on s'en prend aux arbitres. Mais ouais. Il n'y a plus qu'à aller voir à Porto. Porto qui va me lâcher un petit défenseur central. Et puis on est bien, non? Soyons ambitieux, c'est important. Eh oui, la grosse journée de Regen. Alors on va regarder aujourd'hui, messieurs, des matchs. On va regarder des matchs des U19, vous inquiétez pas. Il y en aura. Il y a méga sûr qui sont là. Il y a du, bien sûr, ADM, notre ailier gauche de poche. Il y a du Chapati, j'ai oublié. Verderaner, notre Johan Mikkoudsen, hein, le milieu de terrain box to box, quoi. Je crois que tu joues MCG, donc c'est le box to box. Begno, notre latéral portugo, brésilo, norvégien. Et ouais, les gars. Merde, j'ai appuyé sur Porto et je suis pas allé voir Porto, moi je suis le pire. Lou Portugal, tout doux bien. Lou Carai. Thiago Matocha, Pedro Justiniano.
Oh putain, mais j'ai froid, stop la fraîcheur comme ça là. Défenseur gauche, Moldave! Wep. Christopher Lungoyi. Santiago Irala. Ça vient du Tchad, ça. Yes. Le drapeau. Bah, c'est pas foufou. Ah ouais, même des joueurs comme Kassama et tout sont déjà partis en prêt. On va peut-être aller faire un tour chez les Regen, voir s'il y a de la promo. Salut Seb Arsenal. Salut Rana. Bonjour encore une fois à tous ceux qui arrivent. Welcome, welcome. Oh, comme j'ai tout envie de regarder un par un pendant 2 heures et demie. Oui, bien sûr, Thomas, bien sûr. Ouais, non, de toute façon, je pourrais pas attirer, c'est du Brésilos. Yes. Je pourrais juste attirer ce joueur-ci, Carlos Molina, la légende, comme on l'appelle. Je pourrais juste attirer ce joueur-ci, Carlos Angulo de Medellín. El cartel de Medellín. Par contre, voilà, moustache de Pablito en plus. Bien sûr, 16 ans, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bonjour, c'est Libop. Oui, je... Bien sûr. C'est toujours de la bonne en Colombie. Oh, la beubarde de Abel Javier qu'il a, lui, 16 ans. Mais putain, mes mecs à 16 ans... J'avais pas du tout ça, moi. Pilositairement parlant, j'avais pas autant. 14 en tac, 14 en marquage, 10 anticipation, 12 placements à 16 ans. Pardon? Comment? Qu'est-ce que j'entends? Ah, je peux pas observer, Thomas, tu n'as pas d'argent. Dirige, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut. Améliorer? Non. Un des deux. Faut que je... Non, déjà, on va commencer par ça. Je ne fais pas assez d'importance à mes yeux. J'ai vraiment ruiné les finances. Alors, je suis arrivé en club au juillet 2018. Ah oui, quand même. Ah oui, mais j'ai ruiné les finances. La vache, 4,8 millions et je suis 1,5 million. Mais je suis pire qu'une femme de footballeur, moi. C'est... Waouh! J'allais dire une phrase. Oh mon Dieu. Enfin, deux mots surtout. Mais on va s'abstenir. Ah ouais, bah écoute, là, j'ai mis le chauffage. Bon, c'est un chauffage au sol, mais... Donc ça donne un peu de chaleur dans la pièce, mais le problème c'est que c'est dans la pièce d'à côté. La pièce où je suis, il y a littéralement zéro chauffage. Du coup, il fait 18 degrés, 9, donc 19 degrés. Effectivement, oui, c'est vrai que bon, on souffre un peu de la fraîcheur, oui. On souffre un peu, mais c'est pas grave, c'est ça aussi, hein, le danger du streaming aujourd'hui. On prend des risques. Toujours plus. Bien sûr. Je crois qu'il y a bientôt un match de U19. Est-ce qu'on... On va pas regarder tous les matchs de U19. Par contre, peut-être on va skip celui-là. On ira voir celui d'après si vous voulez. Coucou Foulosas. De Magnus Bagno. Magnus Bagno Beu. Bien sûr, celui Lamron. Tige 1 et le gardien qui arrive. Tige 1 et tige 2. J'ai aucune partie à côté. C'est vraiment pas faute d'avoir essayé. Mais j'ai pas d'autre partie à côté. J'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver une autre partie qui me donne envie, autant envie de jouer que celle-ci, vraiment. Et celle-ci, j'ai vraiment envie de la jouer hors stream, si vous voulez. Donc, outre le fait que j'aimerais bien
continuer cet horaire de l'après-midi, vraiment sur la longue durée. Le problème, c'est qu'il faudra que je gère mes pulsions de envie de jouer le soir FM avec cette partie, quoi. Sinon, je serai obligé de streamer le soir. Est-ce que vous avez envie de me voir deux fois dans la journée? Je ne crois pas. Dernière, ça c'est d'ailleurs c'est chelou en vrai. Je comprends pas pourquoi tu es gardien remplaçant. Il me semble que j'ai l'impression que tu es meilleur que le titulaire quoi. J'ai l'impression qu'on manque un peu de staff vu le nombre de messages agressifs que je reçois. Oh bah oui, il est bon cet analyste en plus. Ah non, ah, vous voulez que je... Vous êtes con, quoi. Vous êtes con, quoi. Il manque un prépa, c'est ça? Le dirige, là. Bah non, j'ai 4 prépas. Ah, 2 adjoints et 19. Ah! Forcément. J'ai pas de chercheur en sciences du sport. Chercheur en sciences du sport. 13, 10. Je ne vais absolument pas me prendre la tête si j'ai quelques minutes. Karsten Müller! Ramener Karsten à la maison. Allez, zou. Désolé si je vous ai mis cette chanson dans la tête, sachez que je m'en veux. Sachez-le. Ok, on a Karsten Müller. D'ailleurs, quand même, Liverpool, United, Watford, la Juve, Chelsea, et il y en a un qui va être chez moi. Beau gosse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très rapidement, il faudra incliner. Faudrait que je vous mette un peu de staff quand même pour l'équipe de jeunes là. J'ai plus de recruteurs également. Kiné. Qui est beau en kiné. Merci à tous. Mais aussi en entraînement des jeunes. J'aime bien. Ah, les petits 19, je sais comment je vais vous motiver. On va recruter Lisa. Hein? La petite Lisa, les gars. Bon. 29 ans. Oui, moi aussi, ça m'intéresse, du coup. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. D'accord, votre première proposition est trop éloignée. Ah, bah, ça, c'est les femmes et l'argent. De toute façon, ça a toujours été un souci. Alors, sans transition, on va recruter Chris, hein. Ça te dit l'équipe U19 ou pas Chris? Ah oui, responsable toi. Ok, bon, toi c'est pareil. Vous me... You agace me. I am agaced. Ah, Carsten Yanker, bien sûr. Un homme qui avait vraiment une vraie gentillesse. Tu le regardais, car je t'ai en cœur, my god. Il fallait que tu rentres avec ta femme et tes enfants rapidement à la maison. Le mec, il rigole zéro. Ce bon vieux Karsten Yanka. Des mecs comme Stefan Effenberg aussi, c'était pas des têtes de rigolo, hein. C'est qu'on commence à avoir une petite équipe sympa quand même. Je veux pas faire le mec, mais tout ça pour terminer avant-dernier, je me connais, hein, je me connais par cœur, les gars. Le petit Alex Pinto, c'est une très bonne recrue. La concurrence pour Anderson Lewis. Je suis en défense centrale. Franchement, un défenseur central et puis on y va quand on décolle. Mais je me laisse un peu de temps.
C'est ça, exactement. Mais comme je suis Touma, petit streamer pour 35 personnes, ça va, je suis pas embêté, je peux dire des bêtises. Les U19 qui font un partout. Ah, bah quand je suis pas dans les tribunes, les gars. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça branle encore? Qui c'est qui a mal joué? Lamrone titulaire, bah oui, c'est ça qu'on veut. Il est là, notre gars sûr. Solatinson qui crée encore une. Eh, Solatinson, il va être chaud cette année. Encore une occasion créée, une passe clé. Begno, pas chaud du tout de l'autre côté. Romain, moyen. Bon, bah, Johan Mikoutsen, homme du match avec un but. Sacha Gazo, une passe clé. Par contre, ADM et Foulosa, 6-4, 6-4. C'était pas foufou. On se regarde rapidement, bien évidemment, le but de notre cher Werderaner, Johan Mikoutsen. Wesh, ça dit quoi? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça tire dans le ballon ici, là. Et biche! Oh, elle est belle. Clac, clac. Nice. Dommage, je suis un partout. C'est l'occasion de bien commencer la saison, quand même. Du coup, prochain match face à Glimt. Oh, je vais laisser le contré fluide, entre guillemets. Des étoiles dans les yeux. Et oui, ça part de là. Ça part de là, Lamrone. Hein. Ça part de là. Tranquillou-bidou. On va arriver à la reprise des matchs amicaux. Je rappelle que, pardon pour le bruit, le championnat, effectivement, petit championnat, le championnat norvégien reprend au mois d'avril. Alors, le responsable de la formation jeune satisfait des progrès de Pierrotsen. Il n'est pas là, Pierrot, je crois. Je l'ai pas vu. L'attitude de Pierrotsen s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. J'estime que le joueur a progressé en raison d'événements en dehors du terrain qui est désormais plus déterminé que jamais. Personnalité obstinée, détermination 18. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? Ça, c'est beau gosse, ça. Les autres dans le chat, serait temps de. Hein? Serait temps de regarder ce qu'il a fait, Pierrot. Merci. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Rigole zéro, Pierrot. On n'a pas le temps. Jason Mukulu. Tiens, c'est ça que je voulais faire pendant que j'y pense. Alert box. Oh non, j'allais appuyer sur le mauvais bouton. Red. Et sound volume, on va mettre à 30%. Parce que hier on a pris un. C'est vrai? Parfait. Et ben voilà. On a notre dernier joueur en prêt et il est norvégien, Léo Østigard de l'équipe nationale U21. C'est super. Super. Ce jet pour tacler, c'est juste son défaut.
Mais voilà. On a un bel effectif. Merde, j'ai sauvegardé, on a dit oui. Voilà. On va baisser un tout petit peu ça aussi. Voilà. Et je remets le Lucian Events. Ok, le staff, on l'améliore un petit peu. C'est fait. On est sur du long terme, nous. Bien sûr. Yo, Shobora, comment tu vas? Faut que je regarde à combien d'emotes j'ai le droit sur Twitch. J'ai eu l'idée d'une emote. Je crois que l'un des mots que je dis le plus sur mon stream, quand je, surtout en match, ça va être le mot pirlo. Hein, les fameuses pirlas. Ou balancer des pirlos. Ces fameux longs ballons, ces grosses transversales magnifiques, qui soit cassent des lignes, soit cassent des culs. Et je pense que je vais essayer de choper quelqu'un qui me fasse une petite émote avec la tête d'Andrea Pirlo. Étant donné que c'est un mot que je spamme souvent. Et que c'est magnifique dans le football, une Pirlo. C'est magnifique. Vous savez, ce ballon, vous êtes coincé, vous êtes sur un côté, votre équipe a la possession, il y a votre latéral gauche de l'autre côté qui fait eh oh, je suis là! Et là, vous avez. Comme Solatino hier qui lâche une grosse pirlasse sur ADM pour le but des U19. Bah, c'est exactement ça. Et ça fait vibrer ça. Donc ça sera le prochain emote. Pour ceux bien évidemment qui souhaitent souscrire ce sub à la chaîne, vous aurez le droit à celui-ci et à celui déjà présent qui s'appelle C'est propre. Autre expression que j'utilise beaucoup. Mais dans les matchs qu'on fait, spécialement les U19, c'est pas souvent très propre, hein, au niveau du style de jeu. On n'est pas sur de la propreté propre. On va dire ça comme ça. Merde, stop. J'ai dit que je voulais aller voir le match des U19. Je pense que ce sera peut-être le dernier avant notre reprise. D'avoir la reprise du championnat, j'ai tout enregistré, je suis pas emmerdé par. Ah non, c'est parfait, waouh! Calendrier, U19, hop, on va voir juste ce match face à Bodø/Glimt. Let's go! Swantman! Suinté du cul! Magnifique expression, Swantman, bonjour à toi! Ah, le ballon magique, eh oui! Le gros. La grosse pirlasse comme ça, là. Ce gros changement d'aile ou ce ballon casseur de ligne, ça c'est beau ça. Tout ce que j'aime dans mes replays. Allez les gamins, qui est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On repart sur le mode commentateur. Bonjour à tous, évidemment, bonjour à tous. Nous sommes au stade du Bodø/Glimt pour le match d'aujourd'hui en mode de commentaire. Le deuxième match commenté de la saison de la part du U19. On se retrouve avec Bodø/Glimt U19 à gauche en 4-3-3. C'est classique. Face aux Vikings U19, la fameuse équipe des Vikings U19. Une belle génération apparemment, d'après leurs parents, parce qu'il n'y a qu'eux qui les soutiennent aussi fortement. On part, messieurs, avec la compo. Blomback au gardien. Lamrone, qui a joué le match d'avant, apparemment aurait déçu l'entraîneur 19. C'est Blomback qui est de retour dans les cages. Baignot, défenseur gauche. Arcro, défenseur 3. Pierrot Arvola dans l'axe, ça ne bouge pas sur le secteur défensif. Milieu de terrain, Johan Mikkoudsen, notre cher Verderaner, bien sûr. Simsimsen en 6. Simsimsen en 6, c'est bien, ça fait travailler, c'est important. Rukawa à gauche, Romain Christensen à droite, Sacha Gazo en numéro 2. Et enfin Bjørn Goldbergsen, le fameux Goldberger en pointe.
Yes, j'ai pas besoin de savoir tout ça. On est reparti. Mini résumé quand même cette fois. À la limite, ça passera plus vite. Et il neige. Il neige, bien évidemment. C'est surprenant en Norvège. C'est incroyable, il neige. Voilà, merci. On est parti. Je vais pas faire ça. Oh là, pff, quel coup franc. Je vais pas faire ça à tous les matchs, hein, Foulosa. Ça, c'est juste parce que là, c'est la pré-saison et j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Oh, Simsim, il tire vachement bien les coups francs. Encore un qui était très proche des cages du gardien de Bodø/Glimt. Score de toujours 0-0 après 27, 28, 29, 30 minutes de jeu aujourd'hui. Un match dominé de la tête et des pieds, du genou et des épaules, bien évidemment, par les Vikings. Attention, on part d'un coup franc dans le camp de Bodø/Glimt. Mikkelsen, Stolheim, Blomback à la parade. Il coupe la trajectoire. Ça balance, même pas sur tige 1, non, tige 2, pardon. Madsen. C'est récupéré par Beignot, bien sûr. Là, Pierre Lasse, eh oui, sur Bergersen. S'il n'est pas gêné physiquement, il va tout dévier de la tête. Il n'est pas embêté avec sa tête. Romain Crispensen, Sim Sim Sen, on est à 30 mètres, plein axe. Sacha qui frappe à côté. On va arriver à la mi-temps. C'est un peu tristoun. C'est un peu tristoun. Le score de 0-0, deux frappes. Ce qu'on retiendra principalement de cette mi-temps, les beaux coups francs de Sim Sim Sen, malheureusement, qui n'accrochent pas le cadre. Et cette frappe de Sacha, là, juste avant la mi-temps, malheureusement, ce n'est pas conclu. Entre en jeu Solatinson, le défenseur droit. Qu'est-ce que c'est que cette boulette, là? Qu'est-ce que c'est que ça? But du Bodø/Glimt. Qui c'est qui fait... Qu'est-ce que quoi? Stokheim, ok. Tiersensko pour Guimarc, qui balance devant. Ah oui, d'accord, on est sur de la troisième là. Qui est le coupable? Pierrot, t'avais dit que t'étais bien? Il a changé, Pierrot, effectivement, méconnaissable. Énorme boulette du défenseur basco-norvégien. Et ça fait 1-0. Énorme ce... l'engagement FIFA subi par les joueurs du Viking. Il faut réagir. Et vite. Romain Crispensen frappe. Plein axe sur Andersen, toujours 1-0. Blomback, allez, ça repart avec Beignot. Beignot, Sim Sim Sen, Pirlo. Oh, quel ballon pour Bergersen! Oh là là, ça croque, tige. Tige 2 qui croque un immanquable ici. Et ça va coûter cher. Pierrot qui reprend bien de la tête, mais se repousser sur le tireur de coup franc. Mikkelsen et Frithjofsen. Frithjofsen. Mikkelsen, très bonne récupération. Pierre Lasse, non. Contre Pirlo, non. C'est contré. C'est un peu mou, hein. Voilà, la réactivité des joueurs. Tandis qu'on commence à plus rien voir avec cette neige qui tombe sur le terrain. Mikkelsen, ça sent le but là. On est bien en place pour contre-attaquer, mais ce problème c'est que hey, ils y vont doucement, là, les joueurs du Bodø/Glimt. Ils vont pas contre-attaquer. S'ils jouent comme ça, on va pas pouvoir contre-attaquer. Et ça fait 2-0. Eh oui. Ils sont installés dans notre camp. Vraiment, là, ils sont assis. Encore, ça part d'une boulette énorme de Romain Crispensen. Elle est énorme, cette passe sur le défenseur gauche. Ça fait 2-0. C'est triste. Le match d'aujourd'hui est triste. Et finalement, je ne suis pas si mécontent que ce soit mon dernier match que je commente. Pardon, pardon. Oh là là, ce que ça croque. Les buteurs, on va plutôt l'appeler Croque 1 et Croque 2. Là là, c'est inratable, ça, c'est... Un ratable malheureusement et ça coûte cher. Ça pèse dans la besace. C'est raté. Et ces problèmes de finition de la part des U19 de Viking. Mais ça repart avec Sacha. Sacha, 16 mètres plein axe. ADM, rentré en cours de jeu. L'ailier de poche. Sim Sim Sen, Mikkelsen. Sim Sim Sen, ça combine, ça cherche un espace. Ça cherche. Ça. La différence. Ça cherche la différence. Romain. Sim Sen, Mikkelsen. Prend sa chance de loin parce qu'il y a peu de mobilité. Les joueurs ont pris un coup derrière la tête aujourd'hui. Ça part de deux erreurs flagrantes et ça coûte cher. Les erreurs sont payées cash en U19 Norvège.
Ouais, ça coûte cher. Ouais, ça frappe de loin. Mais Andersen est dans un bon jour. Et c'est dur. C'est dur de rentrer le ballon dans ses filets. Score toujours de 2-0. Rentrée de Foulosas. Tige 1, rentre en jeu. Tige 2, out. Alors, est-ce qu'il va y avoir une différence? Est-ce que la finition va être meilleure? Bon, ça force un peu le jeu, mais derrière, Bodø/Glimt semble maîtriser son adversaire du jour. En manque. En manque. En manque. Donc c'est ça, c'est ce gardien-là qui remplace Lamrone là, c'est ce gardien-là. C'est donc ça. C'est donc ça. J'ai mal à mon football. Je souffre, mon football souffre. Que c'est dur. Que c'est dur de voir cette équipe évoluer comme ça aujourd'hui. Et tout est puni. Tout a été puni aujourd'hui par Bodø/Glimt, qui gagne 3-0 sur 2 tirs cadrés, le fameux. Pendant que nous sommes à 11 tirs cadrés, 0 but. Après tout, c'est pour ça qu'on aime Football Manager. C'est pour ça qu'on aime Football Manager. Victoire 3-0 de Bodø/Glimt, 2 tirs cadrés, 3 buts. Viking 11 tirs cadrés, 0 but. Le constat est affligeant. Des problèmes de finition certaines, hein, du côté de Viking. Je quitte le stade dépité. Ouais. C'est dur. C'est très dur. Ah, on en a gros. Hein. On en a gros sur la patate. Je pense qu'il y a une équipe qui a des capacités. Peut-être que. Je vais remettre cette tactique-là offensive. Peut-être que ça vous donnera plus d'ailes face au prochain match, face à Sogndal. Bien sûr qu'il y a. À qui on a totalement volé la place, la deuxième place l'année dernière. Je pense que c'est une équipe qui doit bien nous détester. Salut Jomo, ça va très bien et toi? Ouais, je pense qu'on a tous vu la fameuse passe en retrait, gardien qui ne bouge pas, ça fait toujours mal. Hein. Ça fait mal. Ouais, comme dirait l'autre qui beule là. Ah là là. Comment bien ce stream? Vaut mieux que ce genre de match arrive à mon équipe U19 plutôt qu'à l'équipe première. On va pas se mentir. Moi, ça me va. Mais moi, je veux pas des matchs comme ça, les gars, cette année. Sinon, ça va pas le faire. Ça se blesse pas mal à l'entraînement là quand même. Entre les grippés, les blessés du genou. 6-40 gros. Ça s'agirait de grandir. Ça s'agirait de grandir. Eh oui, Fernando Cavenaghi. Ah, on essaye de mettre en place notre petit projet hein, du côté de Viking. Cette saison va être forcément extrêmement importante. Ça, c'est... Voilà, on vient d'être promu. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai toutes les clés pour mettre en place une équipe que j'ai choisie. Étant donné que voilà, on est sur une nouvelle saison. On part sur des. Sur du neuf. Donc je vais être pas mal jugé là. Il va falloir faire attention.
répondre présent. Et bien évidemment, on va essayer d'aller chercher. Je ne sais pas combien de points. Je vais regarder combien de points il faut. Voilà, la Lambronne après l'énorme boulette. Ah, Folosas. J'avais peur que personne ne l'ait la référence. Mais oui, un classique. S'agirait de grandir. J'ai hâte de grandir. Le fameux. Merci Foulosas pour ton tweet. Si gentil. Salut Pierrot. Ah Pierrot. Le diable de Pierrot. Tiens, qu'à faire, il y a toujours le message par rapport à Pierrot. Tu arrives un tout petit peu en retard, Pierrot, mais voilà ce que j'ai reçu comme message là tout à l'heure. L'attitude de défenseur. Du défenseur Pierrot Tsen s'est beaucoup amélioré ces derniers temps et j'estime que le joueur a progressé en raison d'événements en dehors du terrain. Et donc j'ai cliqué sur toi, Pierrot, pour me rendre compte que tu es passé avec à 18 en détermination. Ça veut pas. Ça fait pas les courbes comme avant? Ah. Mais avant t'avais pas 18. Ah, ça fait. C'est bugué. Fais voir. Je veux voir l'évolution. Bon. Eh ben, n'empêche, t'as vachement évolué. Eh ben, c'est bien. Sauf que le match d'après, on perd 3-0, les U19 perdent 3-0 et tu fais une boulette. Donc tu as évolué sur ton attitude, mais pas sur ta qualité de footballeur. C'est rare, ce message il est plutôt rare. Ça fait toujours plaisir de voir l'évolution d'un joueur, peut-être que ça va changer. Sur ton potentiel, un bon 18 ans d'éther, en tout cas, normalement ça fait le taf quand même. Ça évolue pas mal là, ce petit Harald là depuis que je l'ai monté en équipe première. C'est bien ça. Il me conseille de mettre Romain, Foulosas et Arvola en équipe réserve. Ah ouais. Ils vont commencer par rester en U19 et à enchaîner les victoires. Saloperie. Bon, prochain match U19 dans 2 jours face à Sogndal. Cette fois, j'ai mis la tactique offensive. Parce que je sens bien qu'il y a une véritable domination sur le match d'avant. Mais peut-être que vous étiez un peu, vous n'étiez pas confort totalement avec la tactique. Et outre les stats de match, on a bien vu qu'il y avait du tir de loin. Mais quand on était dans leur camp, ça manquait de mouvement, etc. Et ça vient principalement du fait que bah, l'équipe était un peu scindée hein, en deux. C'est le principe de l'équipe de contre-attaque, entre guillemets. On ne scinde pas une équipe en deux. Mais du coup, on avait des difficultés à faire la différence. Donc, je repasse avec la méthode offensive. Je choisis la méthode offensive. Ah, cette référence-là, elle est un peu plus compliquée. Ce film extraordinaire. Ah merde, putain, mais vous êtes des pros, les gars. Salut Fury, comment tu vas? Couscous!
Et avec le fameux moment, quand il est dans le bain avec l'autre, et que sa femme arrive et qu'il lâche: « Chérie, reviens! C'était juste un coup de bite! » Magnifique, quel moment du cinéma français. C'est d'une profondeur de texte. Ça vous prend aux tripes. Et est-ce que le fait que j'ai changé de tactique, ça a fait que vous êtes des grosses putains de bêtes et qu'on gagne 2-0, messieurs? Qu'est-ce qu'il y a? Victoire 2-0. Qui c'est qui a régalé encore là? Il y a du Gazo, il y a du Sacha. Ça a dû lâcher une grosse robe de loin. Et Foulosas qui débloque le compteur. Tige 1 se réveille. Les buts en replay, messieurs. Foulosas est là. Ça part d'un coup franc. Ça part d'un coup franc. Oh, le gardien, il est nul. Et oui, la tête, Foulosas. Tout est dans la tête. Et ça fait 1-0. Ensuite, Boyum, dégagement. Beigno à la récup. Oh là 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 là, on va l'appeler Beigno Pirlo lui aussi, hein. Et boum! Eh oui! Quel Pirlo! Putain, mais quel Pirlo ce Beigno! Enfin, quel Pirlas! Il a vu l'appel de Foulosas. Boum! Ce fouet étendu! La fouet étendu, c'est la même chose. Ce fouetté pour Foulosas qui fait parler sa vitesse, je crois qu'il a 4 en accélération, et qui tente un centre, mais alors je crois que par contre en centre c'est très drôle la note de Foulosas. Voilà, c'est 1 en centre, ah oui, on est bien là, 1 en centre, 9 en accélération, pardon, et c'est repoussé par la défense, et Sacha ne se pose pas de questions, une grosse biche plein coin, et victoire 2-0. Lamrone est quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? T'es rentré en cours de jeu? Ah oui, bah très bien. On sort notre gardien à la 68e. Bon temps de des trucs, hein. Entraîneur et 19, il va pas rester très longtemps. Il va faire peut-être là une saison, pas plus. Ah non, les ligaments distendus. Non, 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 non. Heureusement que j'ai du monde au milieu de terrain. On continue la reprise avec les Vikings. On s'amuse un petit peu à regarder les matchs des U19 pour égayer un peu notre saison. Je rappelle que les U19, donc il y a eu la fournée de Regen et j'ai donné les noms des Regen U19 aux viewers, aux habitués, aux piliers du comptoir, aux piliers de comptoir, pardon, présents assez souvent sur le stream. Pour les faire revenir à chaque fois, les fidéliser, je fidélise mes viewers. Ouais, bien sûr, c'est vrai que bon, on gagnait 2-0 depuis la 30e minute de jeu, mais 68e, il s'est dit Lamron, allez, viens, rentre. Ok. Pourquoi? Va, rentre, rentre, tu verras, c'est, tu vois, c'est sympa. Ouais. Elle a fait du bien cette victoire. Beigno, t'as été décisif. C'est vrai que quand on voit Foulosas avec son 2,02 m, on se dit pas forcément je lui mette une pirlo dans la profondeur. Mais toi, c'est ce que tu t'es dit. Hein, c'est ce que tu t'es dit. Et quand on a ce genre d'inspiration. Vous foutez de ma gueule, Football Manager, là. Non, parce que là, vous me faites pas un début de saison comme ça, vous me blessez tous les joueurs. Tous mes numéros 10. Hein. Surtout Jean-Carlos qui a claqué un quadruplé. Oh putain. Il a claqué un quadruplé et vous me le blessez. Mais putain, mais quel jeu de merde. Sérieux. Oh, putain, pourquoi ils ont leur maillot, eux? C'est où? C'est un club promu, ça. Yes, c'est un club promu. Cafu. Camerata. Tenaslo. À moins que ça soit. Non, ça soit un club. Non, c'est peut-être un club de. Ah non, quel pack j'ai pris pour les maillots de Norvège? Je crois que j'ai pris 1, 2, 3. Enfin bref, putain! Toutes les recrues ont marqué, ça par contre c'est très positif. On va regarder rapidement. Attends, merde, il n'y a pas un. Il y a un truc, regardez juste les buts, je crois. 2 secondes. Pas ça. Pas ça non plus.
On a bien joué. Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Bon, je vais les faire un pas. Touche offensive, une, deux, repoussée. J'ai enlevé ça. V29, Knudsen, défenseur gaucher, Ibrahimaj, Jean-Carlos, V29, ça combine bien, Tripic. Waouh, oui. Ah oui, ça frappe de loin, ça. Ok. Le doublé en 2 minutes, ça part encore une touche offensive. On n'a pas fait nos touches offensives, nous? Ben si. Décalage créé, V29 bien placé. Aitaman, pardon. V29 qui n'est pas doué techniquement, qui perd le ballon, ce qui est logique. Aitaman, Knudsen, ça c'est les joueurs assez safe. Voilà, c'est par contre à partir de là que c'est les joueurs techniques et créatifs. Tripic, Aitaman, Jean-Carlos. Oh le ballon. Quel ballon de Jean-Carlos. C'était bon ce ballon pour Anderson. Anderson Lewis. Très bon centre. Superbe ballon. La paire brésilienne, c'est tout doux bien. C'est Regaldinho. Hein. Alors ensuite, le but, le troisième, le triple pour Jean-Carlos. Talonnade, lui il va régaler hein, s'il se blesse pas tout le temps. Aitaman, Tripic, Ibrahimaj, Tripic, Aitaman, Jean-Carlos. Ah ouais! Mais t'es comme ça, toi, tout le temps comme ça, tu vas jamais rigoler un moment, peut-être un peu. Engagement, ça balance des ça devant. Oh là, Jean-Carlos, putain, il est bien positionné et tout, lui il me plaît, hein. Il prend bien l'espace, Palacios en remiseur, Aitaman, biche. Oh pff. Ok, je vais avoir des. Ils ont... Ah, excusez-moi, mais il n'y a pas eu un patch ou quoi de FM parce que qui m'a parlé du nombre de frappes de loin qui a augmenté et à qui j'ai approuvé. Mais c'est vrai que là, on marque full hors de la surface. On n'a pas travaillé nos combinaisons sur coup franc indirect. Non, on n'a pas travaillé nos coups francs indirects, pas du tout. Pardon, je... Eh ben merde! Je voulais me faire plaisir, mais pas du tout. Krogstad, très bien tiré ce coup franc. Et puis alors la tête de Kasaya Sterling, considéré comme le nouveau Michael Owen, bien évidemment. Me blessez pas Jean-Carlos, par contre. Hein? On fait comme ça? Let's go! Il est fort ce 4-2-3 offensif là, quand on est vraiment favori. Bonjour Dib! Merci pour ta 4. Alors lequel 4-2-3-1? Celui que je joue en stream actuellement ou le 4-2-3-1 Favre? Mon cher Dib76, bonjour à toi, bienvenue à toi. Jean-Carlos, 3 passes clés. Ah, il était très fort. 63% de possession, 14 tirs cadrés. Ah oui, là c'était la merguez partie là. Celui que je joue là? Oui, ça fait pas longtemps que je stream cette partie et vous êtes 2-3 déjà à m'avoir dit que ça marche bien le 4-2-3-1 off, 4-2-3-1 contre-attaque et l'autre aussi. Hein. Alors c'est pas le mien, attention, ce n'est pas moi qui ai tout fait de A à Z, c'est un 4-2-3-1 fait par Zirconist, un streamer anglais tacticien qui l'a utilisé dans sa partie avec le Milan AC sur YouTube. Je me suis vraiment inspiré de ça, surtout sur. En fait, il m'a redonné cette idée que j'avais perdue de l'équilibre des mentalités individuelles par rapport à la mentalité collective. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal la différence quand on revient à cette chose-là. Parce que c'est un 4-2-3-1 extrêmement, extrêmement classique, hein. Vraiment, c'est vraiment, vous mettez 4-2-3-1, tiki-taka vertical, mentalité offensive, vous équilibrez les mentalités individuelles. Pour la tactique numéro 2, vous mettez créer une tactique contre-attaque fluide, le 4-2-3-1. Vous mettez les rôles à vos joueurs en équilibrant les mentalités individuelles. Et la troisième, vous faites créer une tactique catenaccio. Vous mettez donc le 3-4-3. Et vous mettez les rôles par rapport à vos joueurs sans changer les mentalités. C'est tout. C'est FM au plus simple. Hein. Vraiment, là, ces trois tactiques, c'est FM au plus simple. J'avais besoin d'avoir ce déclic par rapport au fait de revenir à ces bases-là. Parce que c'est équilibré. C'est ça. Et puis du coup, ça me permet de jouer d'une manière peut-être un peu plus réaliste du coup à FM aussi, d'avoir plusieurs tactiques.
Un peu comme tous les coachs aujourd'hui, même aujourd'hui quand vous regardez sur WhoScored, il n'y a quasiment aucun entraîneur qui a qu'une seule tactique. Ils essayent un peu, par rapport au scénario du match, par rapport à l'adversaire qu'ils affrontent, de changer de tactique, de style de jeu surtout. Vous ne jouez pas aussi haut et aussi dominant face au PSG que face à Andrézieux, par exemple. J'ai pris une équipe au hasard, Andrézieux. Alors, allez, vente de pute, c'est un nom assez commun en Belgique, hein, vente de pute. Et on salue bien toutes les. De quoi? Alors, victoire 5-0. Ah oui, tu vois, Beignot est d'accord. Merci en tout cas, enfin, merci à ceux qui utilisent mes tactiques. C'est vrai que c'est toujours un peu gênant de dire ça, dans le sens où tout le monde a fait un peu toutes les tactiques. Mais généralement, moi, ceux que je publie vraiment sur le workshop, c'est moi qui les ai fait quand même, hein, de A à Z. Et là, j'avoue que celle-ci, je ne les mets pas sur le workshop parce que c'est pas moi, enfin, c'est pas moi qui les ai fait, mais l'idée vient surtout de ce super tacticien qui est Ziri Codiste. Je lui fais au maximum de pubs, mais il est beaucoup plus connu que moi dans la commu anglaise, largement. Donc bon. Comment on marque? Ouais, alors là, ce monde devant. Sterling, il me plaît bien ce Kazaya Sterling là. Ouh, le tricot. Provoque un carton. Fait mal aux yeux. Le blanc sur le jaune, là, ça fait mal aux yeux. Hein. Carton jaune pour Dveden, ça va être vite joué par Island, notre défenseur central brésilien. Magnifique Pirlo sur V29. V29, t'es pas technique, mon grand. Oui, Trippier, celui-là, il est. Oh! Voilà, il m'a fait fermer mon clapet. Centre du droit de V29. Nice. Mes deux attaquants intérieurs qui ont fait un super match. Par contre, deux victoires à plus de 5 buts et je vois 0 but de mon buteur. 7,5, mais vraiment parce qu'on. Ouais, non. Il n'a pas l'air d'avoir été impactful, hein, encore. Ah. Une passe D là encore. Ouais, c'est sur le but à la fin, la dernière frappe de Jean-Carlos ou de Haïti Aman, je crois. D'accord. Ok. Je surveille de loin quand même le rôle du buteur qui peut être un peu problématique. Et les U19 qui s'imposent. Bonjour, bienvenue sur le stream de la victoire. Bien, vous allez bien? Mes horaires aujourd'hui, ça va être jusqu'à 17h, un stream de 2h, de 3h30 à peu près, je pense. Zorben le grec. Et il est 14h37, donc on est là pour pas mal de temps. J'allume la lumière parce que moi je me vois pas très bien. Ouais, sur le retour du stream, c'est pas. Non, c'était pas gênant d'être sans lumière, mais moi ça me fatigue les yeux. Il fait un temps gris, maussade, crade aujourd'hui, sérieux. Oh, il y a des choses qui me plaisent dans ce que je vois. Il y a des choses qui me plaisent. On va la regarder bien sûr. Le résumé, la victoire des U19. Coucou à Balayette Laser. Encore un gros pseudo. J'adore ce pseudo. Du Twitch Game. Tout à l'heure, on a eu Suintman, l'homme qui suinte. Et là, on a Balayette Laser. Putain. Alors. Oh là 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 là. Je fais de l'ASMR claquage de doigts là. Wow, putain, mais c'est qui ce distributeur là? On n'aurait pas Roberto Carlos à gauche là? Regardez-moi ça. Touche offensive. Je rappelle que j'ai fait des combinaisons sur les touches offensives. Regardez-moi ça. Ça part d'une touche de Beignot. Alors, vous voyez dans les tribunes, oui, il y a ma souris. On voit toute la famille de Beignot hein, qui est venue. Voilà, en petit comité. Beignot! Les ramasseurs de balles présents dans le coin, bien évidemment. Et un peu dans l'axe, il y a la famille de Solatino et le Foulosas, bien évidemment. Et là, ça part d'une touche. Johan Mikkoutsen. Une touche un peu de merde, parce que Mikkoutsen, il doit sauter un peu comme ça. Il est un peu emmerdé par le ballon. Mais tant bien que mal, il remet de la tête à Beignot. Beignot, hop, sur le contrôle. Avant le contrôle, il a pris l'information. Merde, le grand. Tige 1 est dans la surface. Notre tige numéro 1 est là. Ils sont venus du Brésil, effectivement, Beignot.
en train de siroter de la caipirinha en Norvège, un mardi soir à 17h. Oui. Beignot est là. Il a pris l'information. Hein. Foulosa, est là. Il n'a pas besoin de lever la main parce qu'il fait 2,02 m. Qu'est-ce que. Pas besoin, tu vois ma tête. Et là, ça part. Plouf. Et Foulosa, putain, mais cette tête en pleine lucarne. Wouh! 1-0. Le football est un sport magnifique. Et 2-0, ça c'est mon Pierrot. Je vous rappelle que j'ai fait des combinaisons sur corner offensif. Effectivement, Pierrot. C'est numéro 5, Pierrot, c'est ça. Sim Sim Sen, tireur de coup de pied arrêté de cette équipe U19. Il l'a vu, Pierrot. Et Pierrot, il attaque au premier poteau et ça fait 2-0. Victoire 2-0. Deux buts sur des combinaisons que j'ai préparées pendant 2h30 en stream la dernière fois. Est-ce que je suis un homme heureux? Oui. Totalement. Moi, je pue le bonheur. Je pue le bonheur. Et je vous rappelle que il me reste encore les combinaisons sur coup franc indirect à faire pour les trois tactiques. Enfin, les deux tactiques, parce qu'il y a 2-4-2-3-1 et il y a un 3-4-3. La tactique sur corner défensif et sur les coups francs directs, chance de succès limitée défensif. Ça sera peut-être pour un stream prochain. Peut-être un stream du soir plutôt. On a plein d'internationaux, nous, hein, ici à Viking. C'est Vanessa Hernandez, ma secrétaire personnelle. Ça reste entre nous, hein. Et bon, voilà. Qui m'annonce donc Léo Ostigard, hein, notre défenseur central, prêté par Brighton. Brighton, ville du sud de l'Angleterre, absolument charmante. Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Oh là 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 là. Ce bord de mer. Cette part d'attraction sur le pont là-bas. Ces mouettes. Symbole bien sûr du club. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup tout le long de la plage, là, je me souviens. Il y a plein de mouettes. Ah là là. Des bons souvenirs, l'Angleterre. Des bons souvenirs. Alex Pinto, le défenseur droit que nous prête généreusement, contre un peu d'argent quand même, le Benfica. Et Nils Valotto, qui est un joueur présent au début au club, qui est un jeune Suisse formé ici. J'ai pas regardé si c'était Lamrone dans les cages. Non, c'était Asbo. Ah non, pardon, 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 c'est l'équipe adverse qui s'est pris une branlée. Ah, elle est nulle. C'était Lamrone qui fait tout le match et 6,9. Le clean sheet pour Lamrone. Le clean sheet. Salut, c'est RP ce stream, totalement pas. Non, bah c'est. C'est pour délirer un petit peu des fois, mais sinon c'est un stream sérieux ici. Ici on aime les chiffres. Ici on aime regarder des attributs, on aime les régènes de la sec. Ici on aime parler tactique. Voilà. Et aussi on parle football. C'est vrai que bon. Fait de parler football, déjà ça change un petit peu. Ça change un petit peu des autres streamers FM. Alors, sans transition, flot de conneries, merci pour le follow. En tout cas, bienvenue à toi. Petit accent protège-ti, bien sûr. Alors. Ah oui, je suis pas mal. Bah, bien sûr, la mode, c'est de la confiance. Déchiffrer les lettres. Consonne? Fois quelle, là? Yes. Ah, encore un petit match amical, une petite victoire, messieurs, s'il vous plaît. Face à Northern France, comme on dit là-bas. Les U19 joueront le 20. Nous gagnons encore une fois 5-0. Tactiquement, on est bien. Elle est forte, ta tactique. Rachid qui fait un triplé. Ah, le petit Harald Tangen de l'équipe réserve qui va de son but. Et Kazaya Sterling, encore une fois. Donc, le jeu le fait jouer
En ATI. Juste, il y a un joueur qui m'intéresse, c'est Palacios qui termine à 7,9 avec une passe D. Donc je vais regarder les replays. Voir un peu les actions qu'on marque. Parce que bon, je vais pas dire toutes les 5 minutes, oh, c'est une tactique sur coup de pied arrêté que j'ai créé. Ça part d'une touche offensive, c'est moi qui crée la combinaison. Bon, on va pas arrêter, hein. Ouais, bon, après l'action, elle s'est pas mal déroulée quand même. Ouais, joli but de Sterling. V29, bon, après, c'est des petits adversaires, il est au niveau, mais face à des plus gros adversaires, je pense pas qu'ils tiennent. Hein. Qu'ils tiennent la cadence. Pressing à deux, comme ça, heureusement qu'ils font pas un décalage. Ouais. Heureusement qu'Anderson fait une belle interception. Ibrahimage, Tanguy, donc qui participait au jeu, Trippich. Putain, ouais, V29. Très bon centre de V29. C'est Tanguy qui conclut. Qui conclut. Il a joué en 10, notre jeune espoir formé au club. Et enfin, le triplé, ça part d'une touche offensive. J'ai l'impression de l'avoir dit au moins 5 fois aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais le nombre de replays qui part d'une touche. Magnifique tacle. Putain, magnifique. Bon, après, l'action a quand même c'est beaucoup déroulé. C'est vraiment sur une contre-attaque. Palacios fait un très bon rôle de je décroche, je remise. Il le fait très très bien, Palacios. Hein. Il va beaucoup beaucoup me plaire. S'il joue comme ça, aussi simplement et dans la remise, quitte à ce qu'il fasse une saison à 10 buts, s'il met tout le monde en valeur comme ça va beaucoup me plaire. Ibrahimage, Sterling, c'est Anderson qui est présent offensivement. Ça revient sur Tanguy, repoussé à Aitaman. Rachid Aitaman, j'arrive pas. Rachid Aitaman. Oh, elle est belle cette Pirlo. Comment ça va être récupéré? Superbe tacle de Sterling qui était revenu défendre. Aitaman, Sterling. Les gars, vous avez pas envie de courir avec le ballon, hein? La vache! Ah bah les espaces qu'on a. On fait circuler Palacios qui a bien décroché sur l'aile. Super bien joué ça. Bon, le gardien est nul à chier parce que ça c'est plein gardien, mais waouh. Ok, il y a quelque chose. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On aime regarder les attributs, pardon, j'ai pas fait exprès. Le profil de Palacios, oui, bien sûr. On a 14 jours de repos là, sérieux? On peut pas glisser un autre match amical avant la saison? Merde, j'ai fait planter le jeu. Putain, j'ai eu peur. Parce que ouais, 4 matchs amicaux, c'est juste là. Enfin, c'est juste. On se comprend. On s'en glisse un ici. Un truc un peu plus. Oh, le FC Metz. Ça serait grave stylé si on... merde, quelle date on est? Ah bah non, mais en mars, ils sont en plein championnat. Putain. Bah mais tout le monde est en plein championnat, je suis con. Bah non, tout le monde. Thomas ne regarde pas les championnats étrangers, ça joue encore. Au Groenland? Ouais, ça c'est une vraie équipe. Ça pourrait être l'occasion de se comparer à un club du championnat. Ils veulent bien? Ouais, c'est cool. Ouais, ça va être l'occasion de voir si on met aussi 5-0 à une équipe présente. Hein, depuis plusieurs années en première ligne norvégienne. Je vais rester en offensif, mais je suis vraiment pas sûr de mon coup là. C'est couillu de faire ça, mais on va voir. J'ai vu ton message, balayette laser. Bon, la vache. C'est un bœuf ton attaquant.
Il est sexy et raffiné, comme dirait l'autre. Sterling, oh putain, non, pas maintenant. Alors ça, je veux pas voir ce message maintenant. Ouais. Les rumeurs concernant nos successeurs de Ricardo à Bordeaux vont de bon train. Mathieu Chalmé, favori. Entraîneur intérimaire, d'accord. Marcelo Bielsa. What? D'autres noms circulent parmi lesquels Marcelo Bielsa, Rémy Garde et Chalmé. Et la cote de 6. Oh non. Ça serait génial. Marcelo Bielsa à Bordeaux. Limite, je ne serais pas triste. Parce que moi, j'aurais aimé avoir le poste. Étant donné que pour ceux qui arrivent ou qui follow et qui découvrent un peu cette partie-là. Donc, pour cette partie, c'est une carrière sans emploi à la base, où j'incarne Fernando Cavenaghi, une ancienne idole des Girondins de Bordeaux. Donc, ancien joueur international. J'ai suis parti sans diplôme, juste avec mon expérience d'ancien joueur, entre guillemets, enfin, dans le jeu. Au bout d'un mois de Pôle emploi, j'ai été contacté par Viking, qui avait fait la moitié de sa saison, qui était huitième du championnat. Et on a, en une demi-saison, on est passé de la huitième à la deuxième place. La deuxième place qui nous a offert la promotion en première ligue norvégienne. Et donc, voilà, nous sommes en début de saison 2 pour aborder donc notre septième mois au club, huitième, enfin un peu plus maintenant parce que je suis arrivé en juillet, surtout pour entamer une nouvelle saison avec le club où je peux vraiment mettre ma patte avec mes choix de joueurs, mes choix de joueurs tout simplement, et avoir un véritable impact peut-être sur cette équipe-là. Et je peux vraiment avoir Henrik Larsson en entraîneur d'équipe réserve? C'est ça que tu me dis, Football Manager? Ah bah, j'ai même pas regardé cette stat. Boum. Henrik Larsson. Le vrai. La légende, hein? Voilà, ce mec-là, là. Oh la vache, les stats. Henrik Larsson à Viking. Ce jeu est absolument génial. C'est vrai qu'il était à United en 2006. J'adore ce jeu. I love this game. Je t'ai complètement oublié, Joe. Absolument. On est dans l'oubli total. Federico Palacios. Coucou Kikoff, ça va bien? Federico Palacios pour notre buteur cette saison. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son profil. C'est pas facile à faire jouer parce que 10 équilibres, 11 endurance, 10 en volume de jeu, c'est un attaquant avancé. Il va vraiment qu'il insiste sur sa mobilité, donc sur son 16 agilité, 16 appels de balle, 14 anticipations, 15 accélérations. C'est énorme, hein, tu vois, comme stat quand même. Il va falloir qu'il décroche pas mal parce qu'il va se retrouver entre deux gros défenseurs centraux nordiques pendant une très grande partie de la saison. Donc je compte beaucoup là-dessus. Surtout, attaquant avancé créateur. Le faux neuf un peu plus haut en fait. Ça va être un peu ce que je vais attendre de lui. Il a un super profil par rapport à ça. Vraiment, j'espère. Je pense pas qu'il va terminer avec 25 buts cette saison. Je ne pense vraiment pas du tout. Mais j'attends plus des passes des presque. Pour mettre en valeur du Sterling ou du Tipic à gauche. Les U19, ça va les gars, je vous dérange pas. La balade. Comment se passe votre balade? 1-0. Encore un clean sheet, un clean sheet. Et à la 56e minute, parce que l'entraîneur de mes U19 voulait conserver le clean sheet, c'est à la 56e qu'il a fait rentrer Lamrone quand même. Il s'est dit, je le sens pas. Lamrone, on va l'appeler le super sub. C'est un gardien, mais c'est un super sub. Ça passe pas.
Et c'est Romain qui marque le but de la victoire à la 82e. Comment on marque? Comment marque-t-on? Ai-je besoin de préciser que j'ai fait les combinaisons sur corner offensif? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est Chapati qui a joué dans l'axe. Pierrot qui est après sa boulette. Ah, c'est un peu dur, hein. Mais Monsieur Chapati Arvola en défense, ça a été très solide. Benio 6-6, Solatino 6-6 aussi. Pas foufou ça, les gars. Qui a bien joué? Rukawa 6-4. Non. Arcro Adem. Ouais, ça avait pas l'air d'être le match le plus foufou de l'année, hein. En tout cas, on est là deux. Vous êtes là. Enfin, vous, parce que c'est moi, ça va, hein, tranquille. Deuxième meilleure équipe U19 de Norvège derrière Rosenborg et on est devant Molde du coup. Là, vous êtes peut-être en train d'écrire l'histoire, les gars. On est peut-être sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'écrit. C'est con parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui va avoir une carrière en équipe première. On se le dit maintenant. On se le dit maintenant. Mais en U19, vous êtes en train d'écrire quelque chose, messieurs. Je vous le dis. Connais-tu des bons Segundo Volante? Eh bien, tous les bons box-to-box, mon cher Dib, seront des bons Segundo Volante. Si, naturellement, ces joueurs-là n'ont pas le poste dans leur camembert, moi j'appelle ça des camemberts, fais-les travailler en entraînement individuel, ça en deviendra des très bons Segundo Volante. Coucou Stan, comment tu vas? Merci beaucoup. Eh oui. Et oui. Là, par contre, Henrik Larsson, un entraîneur de l'équipe réserve. Je vais essayer de temps en temps dans le staff comme ça. Ça ira principalement dans le staff U19 et réserve. Hein, on va pas se mentir. J'essaye d'avoir un truc assez cohérent quand même pour l'équipe première. Le but, c'est quand même de jouer à FM et de prendre du plaisir et de gagner. Donc, de recruter des gens capables. Mais si on peut se faire un petit staff réserve, un petit staff U19 avec du. Je vais dire des noms au hasard, du Paul Scholes, du Henrik Larsson, du Xavi, du Iniesta, toujours plus loin, bien sûr. Pour la Norvège, du Tor André Flo, du John Carew. Ça peut être stylé, en vrai. Tranquille à l'arrière de l'ambulance. Bien sûr. Eh bien, coucou Stan. D'accord, donc on s'impose 3-1 face à Odds. Avec un but de Palacios, ça m'intéresse encore plus du coup. Eux aussi jouent en 4-2-3-1. Là, ça m'intéresse par contre. Si on met 3 à domicile face à Odds. Je vais pas jouer en offensif toute la saison quand même. À l'extérieur, je joue forcément le fluide contre-attaque ou la Catenaccio. En tout cas, à domicile, on a l'air vraiment solide. Hein. C'est bonne surprise quand même ce résultat. Sondre Rosbach. Ah, ça va partir de derrière. Relance courte. Knudsen. Vevatne. Krogstad. Trippic. Pirlo sur Sterling. Elle est magnifique. Anderson qui a super bien dédoublé, qui passe son dribble. Oh, quelle action! Le sport est un football magnifique. Et je vais garder cette phrase comme ça parce que ça me va très bien. Mais le sport est un football magnifique. C'est tellement propre ça. Encore un but de Rachida Itaman. On n'est plus sur un box-to-box là. C'est un box. Il marque tout le temps dans la surface adverse. Sondre Rosbach, relance courte, Island. Ça repart sur Rosbach. Ça va partir peut-être de l'autre côté sur Knudsen. Non. On insiste sur Island, Anderson. Tranquille sur le rythme. Hein. Krogstad. Très bon ballon pour Tanguy. Tanguy, super ballon pour Hollande. La remise instant et la frappe de Heitmann. Il y a vraiment beaucoup de buts sur les frappes de loin. Mais t'as combien en frappe de loin, mon grand, pour en nous avoir mis autant de 11? Il est à 5 buts en 4 matchs, hein, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien.
Victoire de l'équipe réserve et les U19, voilà. Ah, c'est un match amical? Ah, il y a un match amical qui est glissé comme ça au milieu de championnat. Entre le 20 mars et le 27 mars, vous glissez. Voilà. Un but de Pirot et d'ADM. Mais pourquoi il y a un match amical là? Je pense que Pirot, franchement Pirot, avec ma combinaison sur corner, donc tu remplaces Andresson l'année dernière, notre défenseur central islandais. La combi sur corner, tu vas terminer avec 15 buts à ce rythme-là, Pirot. Parce que je rappelle que tu es déjà à 2 buts en 5 matchs cette saison, Pirot. Avec ton 5 en tête, tu es en train de faire la différence. Et ADM qui marque le deuxième but sur une touche offensive. Ai-je besoin de préciser que j'ai fait la... Par contre, c'est hallucinant le nombre de buts qui sont partis d'une touche offensive, c'est n'importe quoi. Il y a un bug. Hallucinant. Notre fibre. Ah oui, alors je vous ai pas raconté. Donc lundi. Hier, je devais avoir la fibre. Les techniciens sont venus et ils cherchaient donc les câbles. Et en fait, il s'avère que les câbles sont donc dans un, donc passent par le sol, dans un, sous un, comment dire, là où je garde mon food truck, sous une plaque qui a été bétonnée, quoi. Donc c'est comme si c'était une plaque, vous soulevez la plaque, vous regardez les câbles et tout. Sauf que la plaque, en l'occurrence, pour faire la place de parking devant ma maison, tout a été bétonné. Donc heureusement, alors heureusement, ma voisine, qui est donc à une maison similaire à la mienne, elle a dû casser la plaque. Donc je vais devoir casser un bout de ma place de parking où je garde mon food truck. Donc je ne l'ai pas fait hier parce que les techniciens Orange ont dit non, faut que vous demandiez à votre propriétaire, nous on veut pas avoir de soucis, vous savez, machin. Donc va falloir que je mette un coup de marteau comme un bourricot pour pouvoir avoir la fibre, afin que les techniciens puissent toucher les câbles et me donner la fibre. Donc les techniciens disent, on peut pas vous donner la fibre aujourd'hui. Voilà un numéro, vous nous appelez quand vous avez fait ça. Bon, le problème c'est que c'est sur ma place de parking et bon, j'ai pas envie d'un jour en faisant une manœuvre avec le food truck de laisser un pneu dedans, quoi. Après, c'est vraiment un trou comme ça à faire, à peu près. Donc, je n'ai pas la fibre. Et il faut que j'aille mettre un coup de marteau sur la place de parking. Donc, c'est cool. Donc, pas de fibre. Mais soon. Parce que bon, j'ai pas envie de payer pour rien. Même si Orange m'a dit, on vous offre pendant un an, on ne change pas votre forfait, on laisse... le même prix et dans un an vous payez 5 euros de plus par mois. Donc, va falloir que je fasse ça. Moukoudi, il n'a pas été. Ça me dit quelque chose. Hein. Il a un nom d'un mec qui a été formé à Bordeaux. Je confonds peut-être. Hein. Harold Moukoudi. Formé au hack. Bien joué, Thomas. C'est beau gosse, ça. La vache. C'est très fort. En stopper, il y a des très très belles stats. Hein. Waouh! Qui c'est qui l'observe? Caen et Stuttgart, ça ne m'étonne pas. C'est très bon ça. Ah, t'as la fibre, mais t'as un ordi en bois. Ah, bah, c'est le. Enfin, c'est un investissement, oui et non. Bah, oui, si. Un ordinateur, aujourd'hui, c'est quand même un investissement. On peut un peu limiter cet investissement en achetant les pièces une par une, et puis on essaye de se le monter soi-même. Ou... On a de la chance, comme moi, d'avoir un pote qui travaille dans un service informatique et qui monte des ordis toute la journée. Mais ça fait un coût de revient quand même beaucoup moins cher. Surtout, n'achetez pas vos ordis dans une grande surface, des trucs déjà montés, etc. C'est hallucinant les marges. Hallucinant les marges qui sont faites.
acheter les pièces une par une, essayer de choper un pote ou quelqu'un qui peut vous le monter, ou regarder un tuto, parce que vous pourrez avoir un très bon ordi pour beaucoup beaucoup moins cher. Ah, il veut pas prolonger. Ah, ouais, c'est dommage, effectivement, il est fort. Après, ouais, pour la vraie fibre, etc. Oui, bah faut avoir le boîtier. Oh putain, le petit Tangen, dommage, il avait l'air chaud. Dommage, pas vu sur 4 mois. Mais non, après, ouais. Après, Romain, ça dépend ce que tu veux en faire. Allez, U19 qui perdent. Johan Mikkelsen, on regarde le but. Ça dépend ce que tu veux en faire. Après, si c'est que pour du FM et si tu joues toujours au poker ou quoi. Vraiment, encore un. Non. C'est Pierrot qui. Oh, dommage, elle est déviée. Je la voyais partir dedans. Encore un corner et c'est Pierrot qui a failli gagner un duel. Mais là, c'est pas normal cette défaite. Bran était peut-être supérieur. C'était bien tactique offensif pourtant. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. Après, c'est vrai que bon, si t'as des jeux qui pompent un peu plus. Bon. C'est quand même un investissement, un ordi. Moi, je vois le mien, j'ai fait des légères modifs dessus. Un tout petit peu plus de RAM, un SSD, machin. Bon, c'est. Mais ça fait 4 ans, ça fait. Non, je l'avais en anglais. Bah, quand j'ai commencé à streamer, je l'avais déjà un peu avant. Non, quand j'ai commencé à streamer, c'est quand j'ai acheté l'ordi. On est en 2019, donc ça fera 4 ans en mai que je stream. Donc, ouais, j'ai acheté à peu près il y a 4 ans, 5 ans. Et j'avais mis 600 euros au total. Et mon pote me l'avait monté, me l'avait envoyé en Angleterre. Tripitch, quand même, je pense qu'il va être chaud cette saison. Je joue avec le feu, j'attends le dernier moment. Je vais faire ça. On va attendre un peu le dernier moment pour Tripitch. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu l'as rentabilisé, Romain, du coup. Là, je veux bien 8-10 ans, ouais. Ouais, tu peux t'en sortir aujourd'hui pour un. Franchement, pour 700 euros aujourd'hui. Alors, juste une tour, hein. Aujourd'hui, juste une tour avec 700 euros. Si t'as, tu peux même garder le boîtier de ton ancienne tour et puis juste tout remonter dedans. Je pense que bah, avec un budget de 700 euros, tu t'en sors pas avec un truc sympa. Hein. Très largement de quoi. De quoi jouer à FM déjà. Avec une certaine fluidité. On avance tranquillement, on va arriver vers ce début de saison un moment peut-être, parce que j'ai l'impression d'avoir. Ah bah oui, c'est dans 7 jours. On est déjà au mois d'avril, le 7 avril, c'est la reprise. Let's fucking go. Victoire 4-0 avant de commencer notre premier match de la saison. Ça part sur un triplé de Kasaya Sterling et un but de Torstenbo. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. On termine donc avec une superbe pré-saison. Avec surprise quand même cette victoire face à Aude. Premier match face à Amcam, bien sûr Amcam qui était avec nous en D2 l'année dernière, je rappelle. Promu vainqueur des barrages. Et voilà, voilà, ça part de là, ça repart. Fini la déconne, comme on dit. C'est la reprise.
Je suis dispo le vendredi en début d'après-midi. Bah, ce vendredi, normalement, j'ai une presta. Donc, pas dispo en début d'après-midi. Et le vendredi, c'est le jour le plus chaud. C'est pas de chance. Parce que vendredi, là, j'ai une presta. Et je récupère ma fille plutôt chez nous le vendredi. Et parce qu'après, je la dépose en ville à mon ex. Du coup, le vendredi après-midi, c'est là où je suis le moins dispo possible. Je suis disponible. Ah bah non, putain, j'ai Rose. Pas demain, parce que demain j'ai la petite. Mais genre jeudi, début d'après-midi, si besoin, je suis dispo. Et après ce week-end, bah, faut que je regarde ma prestation, mais je crois que je travaille tous les midis. Il faut que je lui renvoie un mail d'ailleurs, parce que c'est pas clair ce qu'elle m'a dit. Faut que je lui renvoie un mail à cette personne. Je pense que j'ai mal compris. Yes. Mais vendredi, je serai d'ailleurs à l'espace encore d'ailleurs. D'ailleurs. Ça fait deux, trois fois d'ailleurs. Et ils m'ont dit si je crois. Ah non, c'est pas eux, je confonds. Là, vendredi, je travaille pour une société de production qui vient faire un tournage. Ils ont besoin d'un food truck sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ça va être cool. Ça va être cool. Par contre, tout le monde se blesse au milieu de terrain. C'est un peu injuste, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous pouvez arrêter le nombre de blessures. Yes, le lundi, bah, le lundi je serai toujours à la gare, normalement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le mardi, je devrais avoir une opportunité. Et tous les vendredis, je vais être au VNB de Beaulieu, Romain, maintenant. Je vais déménager. Je pars sur un partenariat avec le VNB de Le. Un partenariat. On n'a rien de signé, mais dans les mots et dans les associations, du coup, je vais faire pas mal de soirées avec eux. C'est une super opportunité pour moi. Et du coup, le midi, ils veulent essayer de faire quelque chose. Parce qu'ils ont un petit peu de monde, mais ils n'ont pas vraiment de trucs de bouffe le midi. Et donc, ça les intéresse fortement. De putain, mais il a combien en blessure, Jean-Carlos? 6? Oh, s'il te plaît, sérieux? Il a 6 en blessure, il s'est blessé 2 fois 3 semaines depuis qu'il est arrivé, sérieux. Bah, dans les notes intéressantes, franchement, je comprends pourquoi du coup Zirconiste a mis ces notes-là. Détermination. Collectif et volume de jeu, ces trois-là, je pense que c'est des stats très importantes. Je me rends compte par rapport à ça que c'est des notes vraiment très importantes. Donc j'aurais tendance à dire ces trois notes mentales-là. La personnalité, c'est aussi important d'ailleurs. Mais tu vois, enfin, par exemple, ce Frédéric Krogstad qui est pas extraordinaire, pardon, qui est pas extraordinaire. Mais qui est professionnel avec 13 déter, 16 collectifs, 17 activités, je pense qu'il va faire un très bon taf, ça, par exemple. Donc voilà. Je trouve que c'est des notes très importantes. Le collectif déter, vraiment dans l'ordre, j'aurais même tendance à dire un collectif, deux déter, trois peut-être volume de jeu. Après, il y a des rôles où c'est peut-être un peu moins important. Si vous jouez avec un défenseur central, mentalité défense, volume de jeu, bon, c'est pas obligatoire. Avec un stopper, c'est intéressant l'activité. Le volume de jeu, pardon. Si vous avez un joueur un peu mobile, etc., c'est très intéressant.
Par contre, ma tactique sur corner, à un moment, va falloir que je la mette sur le workshop, hein. Parce que là, Pierrot, il en est à 4 buts en 6 matchs ou en 7 matchs, un truc comme ça. Corner de Gyosun, attaqué au premier poteau, Pierrot qui marque. Ok, 40e minute, copier, coller. Incroyable. J'ai passé 2 heures et demie à faire des consignes sur les coups de pied arrêtés. Le nombre de buts, hallucinant. Un Flosas qui a marqué son petit but. Un engagement. On marque un but FIFA? Sérieux? Un engagement FIFA? Romain, Arvola. Romain qui balance une pirlo sur Foulosas. Foulosas. Ah, ça, c'est un but à la Foulosas, ça. Ça, c'est mon tige 1, ça. L'opportuniste. Ah, ça, c'est mon Foulosas, ça. Mon Dieu, que c'est moche, ces buts. Football Manager, Sports Interactive. Je sais que vous regardez le stream. Arrêtez avec ces buts. Stop it with these goals. Sports Interactive. It is fucked up. La touche offensive. J'ai fait des combinaisons sur touche offensive. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Ça combine bien. Mais en même temps, en fait, franchement, en fait, on fait une parenthèse vraiment plus sérieuse. Le but est très beau d'ailleurs. Parenthèse plus sérieuse. Ça m'a permis de voir le fait d'avoir fait mes combinaisons sur donc de coups de pied arrêtés, que de base, le jeu vous met les joueurs n'importe où. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur des situations, on part sur les touches offensives, vous vous retrouvez des fins de ce que j'avais. Je me souviens plus exactement de qui était où ou quoi, mais genre, si vous êtes en 4-2-3-1, donc 4, 2 milieux centraux. Donc 3, parce que si on est un peu sur le côté droit, donc le défenseur droit fait la touche. Donc en théorie sur le terrain, même si c'est une touche offensive, dans le reste du positionnement dans un 4-2-3-1, vous avez le DD qui fait la touche, DCD, DCG, DG, disposés à peu près comme ça par rapport à la tactique. Les deux milieux centraux qui se rapprochent un peu pour donner des solutions au gars qui fait la touche. Le milieu offensif droit qui est bien évidemment le plus proche du DD. Le MOC un peu dans cette zone devant la surface, le MOG un tout petit peu excentré, le buteur pas loin de la surface ou qui décroche. Mais le jeu de base, il sait complètement n'importe quoi ce qu'il fait, quoi. Il vous met le MOC en MCG, le MCG il est buteur, enfin, il y a des positionnements si vous ne faites pas attention. Enfin, je comprends que des fois on se fait contre-attaquer sur des touches offensives où on ne marche pas beaucoup, quoi. Parce que de base, c'est complètement n'importe quoi. Alors, passer 2 heures et demie, 3 heures par partie, non, c'est pas mon objectif. Mais d'avoir créé en fait ces combinaisons par rapport à la formation, je sais que la prochaine fois que je fais un 4-2-3-1, j'ai toutes mes combinaisons, tout est fait, tous les positionnements MOD, MOC, MCG, tout est fait. Et je vais pas me prendre la tête. Là, j'ai juste pas envie d'une chose. J'ai pas envie de jouer en 4-4-2, quoi, par exemple. Parce que là, il faudra que je refasse tout avec un 4-4-2 et c'est chiant, quoi. Mais enfin, on est d'accord que depuis tout à l'heure, j'en rigole, mais le nombre de buts ou 19 où je dis ça part d'une touche offensive, un corner ou coup franc, c'est quand même. C'est exagéré. Alors je gagne, donc je suis content, mais dans l'idée, c'est quand même vachement, vachement abusé. C'est vraiment. C'est un truc que je reproche à FM cette année. Comment j'ai récupéré Roseback? Eh ben, j'ai été encore plus surpris que toi. Je scoute Roseback et le rapport de recruteur me dit disponible entre 500 et 600 000 euros. Juste le salaire où c'était en orange ou en rouge. Je me suis dit putain, je vais pas pouvoir payer le salaire. Je fais l'offre quand même parce que j'avais 950K en réserve. Donc je l'ai payé 550K ou 600K? 550? 550K. Je fais bon, bah ça passe, il n'y a pas de souci. Et j'arrive dans le salaire. J'ai tout mis. Il voulait plus. Il voulait 22 ou 23K, j'allais dire 25. 22 ou 23K. Donc derrière, bah, j'ai blindé. 1000 euros par match, 1000 euros par clean sheet. 250 euros quand il joue pas. Enfin, je blinde, quoi. Je l'ai blindé. Je suis descendu à 18 000. Bien sûr, je lui ai mis joueur clé. Il fallait vraiment lui astiquer le machin. Et il a accepté. J'ai franchement. Limite, c'est pas réaliste. Hein. Attention, hein, qu'on s'entende bien. C'est un joueur qui a Aude. Qui fait une saison pleine avec son club, qui fait un 10 clean sheet en 29 matchs, mais ça a été accepté. La Norvège, pour les joueurs pas chers, qui prennent rien et qui sont très bons,
C'est un des championnats les plus surprenants par rapport à ça. C'est vraiment. C'est la Serbie de FM16, quoi. C'est cadeau. Vraiment, c'est là-dessus. Si vous avez des équipes un peu moyennes et vous cherchez des joueurs sympas, je sais pas, vous êtes en Belgique, milieu de Ligue 1, aux Pays-Bas, il y a des clubs où, enfin, vous piochez en Norvège, où vous vous régalez. Hein. Il y a certains joueurs, sincèrement, c'est du régal. Le prix, le salaire et tout, c'est du régal. Appelez-moi Yapstam. Numéro 6, bonjour à toi, ça va très bien, merci. Eh ben justement, bah, je crois que du coup, par rapport à mon retard sur ton message, tu viens d'avoir l'explication aussi. Par rapport au CPA. Ouais, je vais montrer rapidement. C'est extrêmement classique en plus, Mouillette Game. Je vais un peu expliquer, on va en parler un peu. Et en sachant. Bon, alors après, sur tout ce qui est offensif, j'ai tout fait, à part les combinaisons sur coup franc indirect qu'il faut que je fasse. Ah, la marotte, j'ai pas vu ton message, excuse-moi. Tu as des nouvelles de Ledoc? Je n'ai pas de nouvelles de Ledoc directement. Il est toujours Steam Ami, bien évidemment. Et il joue à d'autres jeux. Je crois qu'il n'a pas accroché à ce FM, tout simplement. Je lui ai pas demandé, mais enfin. Je le vois plus du tout jouer FM. Vraiment plus du tout. J'ai cru que c'était. But de Gazo, doublé de Mikkelsen, but de Pierrot encore. Non, mais c'est sérieux. T'as encore marqué sur corner, Pierrot? C'est avec l'équipe réserve. Hein. C'est encore Gyosun au corner. Incroyable. Attendez 2 secondes. Hein. Pierrot de Seine, 8 matchs, 4 buts. Et du coup, Foulosas, 6 matchs, 3 buts. Goldberger Seine, 5 matchs, 0 buts. Oh, merde, Sacha est blessé. Entorse à la cheville. ADM, foulure à la cheville et Begno, entaille à la jambe. Bon, ça bah, pas de soucis, il faut pas hésiter. Hein. Quand je rate vos messages, vous me dites de remonter ou quoi. Et ouais, par rapport au combi, c'est vraiment c'est du giga classique. C'est juste que j'ai sur les touches, surtout offensives, c'est juste du positionnement. Quand on attaque à gauche. Le MOG est proche du DG, ce qui est logique. Et après, j'ai juste replacé DCG. Bah, vous le voyez à l'écran, je ne vais pas faire des signes de la main. DCG, DCD, DD qui reste derrière. Comme si on était sur une phase de possession offensive côté gauche, quoi. Il n'y a rien de plus classique que ça. Mais en fait, je perds pas vrai. Enfin, si je perds le ballon, on est déjà positionné sur la perte de balle. Et si on garde le ballon, on est sur une situation où on a un ballon dans les 35 mètres adverses. Donc c'est une situation offensive intéressante. Et c'est juste, c'est super simple par rapport à ça. Vraiment, c'est super simple. Ce que j'ai fait, c'est juste de la logique, de la réflexion par rapport à. L'une des options que je vois est réflexion coiffure. J'ai fait Faire un les essai. annales à Antigny. Cela vous paraît-il bien? Non, mais en fait. Non, j'ai dit Siri dans tout ce que j'ai dit. Dis Siri. Il s'active pas. Toujours aussi génial, Siri. Donc ouais, non, c'est. J'ai rien fait d'exceptionnel. Vraiment, si vous jouez en 3-4-3, bah, par exemple, vous faites touche offensive à gauche en 3-4-3, vous mettez vos trois défenseurs centraux derrière là, le latéral gauche qui fait la touche, le MOG qui est présent, les deux MC qui restent dans l'axe, et le même positionnement. Enfin, c'est. Enfin, c'est super classique. Vraiment, allez pas plus loin. Partez pour les touches offensives comme si c'était une phase de possession. Pour tout ce qui est défense, bah, je laisse les animateurs offensifs devant, je fais revenir les autres, en sachant que je laisse les plus offensifs pas trop loin de la surface. Ça, je pense que c'est de la réflexion extrêmement rapide. J'ai mis mes tireurs de pénalty. Ça a peut-être changé, je vais faire un petit changement par rapport à ça. Pour les coups francs directs, je demande de les tirer, je crois. Oui, classique. Alors, je crois que ça a changé. Ah oui, on n'a plus le même tireur. J'ai pas mis tireur de coup de pied arrêté. Ah, faut que je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça juste après, il faut que j'aille aux toilettes.
Et donc ouais, vous prenez pas la tête sur les combinaisons, mais faites un truc propre. Et regardez de base ce que le jeu vous met, et vous allez voir que c'est aussi pour ça, des fois, que vous marquez pas sur coup de pirater, parce que le jeu fait de la merde au début. Non, j'ai plus de regen Stan. Ah si, bah il me reste le tireur de corner, de celui qui fait tous les corners pour Pyro. D'ailleurs, je regarde juste un truc avant d'aller aux toilettes. C'est Gyosund. Et grâce à Pyro. Ah bah il a tiré que deux corners pour Pyro pour le moment. 4 en centre, 9 en corner. Mais il y a potentiellement un 15 passes D qui est dispo là. Je laisse les stats des U19 à l'écran à la limite. On va trier par notre moyenne. Et je reviens là-dessus. Re, messieurs. Donc Stan, tu veux bien prendre le dernier? Je te préviens, il n'est pas foufou. Hein. On va t'appeler Stanson. Parce que bon, on est sur un petit peu sur un thème Stansen, c'est très bon. On est sur un thème Norvège. Stansen. Voilà ton joueur. On s'installe bien comme il faut. Cette fournée de régène est magnifique. J'adore, j'adore. Asie, Linastyle, bien sûr. Et le meilleur buteur, bien évidemment, du club, Pierrot. Stansen, meilleur passeur décisif. Ouais. Celui qui tire les corners et celui qui marque. Voilà. Voilà où on en est. Et on arrive au premier match de championnat, messieurs. Je sais pas, Fio et Beigno, je vais le faire. Une promesse à. Oui, ben on va essayer de faire ce qu'on peut, mon petit Jean-Carlos. Beigno. Magnus. Beigno. Boy. Je suis une pipe du coup. Non, pas forcément, Romain. Je crois que t'es pas trop mal. Enfin, j'ai pas vu. Faut que je regarde les stats. Mais ça joue au football, hein.
C'est sérieux sur le terrain. C'est Ischberger qui a été nommé entraîneur de Bordeaux, je viens de voir. Alors que ça parlait de Bielsa et tout. Oh la vache. J'ai mal à mon Bordeaux. C'est parti. La petite sauvegarde. Messieurs, nous allons commencer cette saison 2. Avec les Vikings. C'est parti, mon kiki. Effectivement. Magnus. Elle est belle, cette équipe. J'ai peur que les absents nous coûtent cher aujourd'hui. Mais bon. Surtout que c'est bien évidemment 3. Putain. J'ai deux milieux de terrain centraux blessés. Un attaquant intérieur suspendu. Un troisième milieu centre blessé de retour de blessure dans pas longtemps. Et putain, je suis en. J'ai pas envie de jouer avec Hoyland en attaque. J'ai pas le choix, c'est le problème. Je vais mettre Palacio 110. C'est un petit peu abusé, Football Manager, toutes ces blessures, c'est ça, sur le même secteur. Ça fait beaucoup. 4 milieux. Rapide, non, non, 5 milieux, j'avais pas vu Ibrahimage. Non, mais c'est totalement abusé. On va pas le gagner ce match, hein, c'est évident. Chier, putain, c'est abusé. Réfléchis, Toto. Alors, l'objectif, ça va être de mettre un bon joueur. Peut-être Knudsen? Non, même pas. Island. Que je fais, j'ai pas envie de jouer avec Ostensen et Hoyland dans l'animation offensive, vu comment ils sont nuls, nuls, Mitroglou, nuls. Attends, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça. Il n'y a personne qui joue à son poste, mais putain, c'est casse-couille, putain. 7 milieux centre, enfin 5 milieux offensifs au milieu centre blessés. Enfin bref. C'est le moins pire que je puisse faire et j'ai vraiment pas envie de faire jouer Stenson. Non, je peux pas faire ça. C'était un peu trop exagéré. Je suis obligé de faire jouer Stenson. Hoyland passera ici. Je... Oh là, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est plus que moche. C'est chiant. Mais c'est le moins pire que je puisse faire après. Eux, ils sont nuls, donc autant que. Ben, Palacio s'adaptera parce que c'est le moins nul, quoi. Bah, un défenseur relanceur, si tu veux, Jomo, tu veux quand même le mettre dans des bonnes conditions. De relance, l'idéal c'est vraiment qu'il soit sur son bon pied du coup. Après, si c'est un droitier exclusif en défenseur central gauche, oui, c'est gênant. Un défenseur droit, juste droitier qui joue à gauche, c'est un peu moins gênant. Mais par contre, dans le comportement balle au pied, tu vas voir que des fois, par rapport à son pied, son jeu va être très orienté avec pour faire des passes à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas tendance à ouvrir son pied à 80.
90 degrés, un angle droit, c'est ça? 90, 180, 360, c'est ça. On n'ouvre pas son pied à 360, hein, je ne l'ai pas dit. Mais c'est comme quand tu joues au foot, que tu es droitier et que tu joues défenseur central gauche, tu vois ce que je veux dire? Ton pied, t'as pas tendance à l'ouvrir, voilà, parce que ça demande de te mettre sur ton pied droit, d'ouvrir le jeu, etc. Alors que si tu veux jouer plus rapide, spontanément, tu portes le ballon et avec l'intérieur du pied, ton jeu sera orienté vers un peu plus le côté gauche. Et dans le jeu, c'est plutôt retranscrit comme ça, en fait. Bon, j'ai très peur de ce que j'ai fait tactiquement, mais je n'ai pas le choix. Voilà, c'est pas. Je suis pas confiant. Moi, je pense que si on joue comme d'hab, ça le fait, quoi. Mais va falloir jouer un peu comme d'hab. Donc, et puis, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai Hoyland et Ostensen qui jouent, donc je suis forcément effrayé du niveau de ces joueurs. On repasse en 2D, par contre, les gars. Quelque chose de beau, quand même. Ça, j'en ai plus besoin. Juste la formation de Hamkam sera un 4-4-1-1. Fait monter Gazo. Ça aurait pu être une alternative, mais je crois qu'il était. Les U19 jouent en même temps que moi ce soir. Ben, écoute, Dib, je vais re-regarder parce que je l'ai mis sur le workshop hier. Football Manager, parcourir le workshop. T0UMA. On n'a toujours pas mis. Je le remets après ce match. Parce que ça a pas mon. Touma, activité. Touma a publié un objet sur le workshop de Football Manager 2019, Touma Squad View. Ça doit bugger parce que je l'ai pas. Je sais pas. Je vais le remettre, hein. Mais. C'est bizarre. On est reparti pour le match. Mini résumé de des classiques. Et on regarde juste les buts. On zoome un cran et c'est parti. Évidemment que je ne suis pas bien pour ce match. J'ai ma défense. Ça, je suis content, c'est cool. J'ai ma défense, mais j'ai pas mes. Oh là là, ça commence les ballons de merde. J'ai pas mon animation offensive classique. En plus, là, j'ai Torstenbo, qui a pas forcément beaucoup de temps de jeu non plus sur cette saison. Voilà, j'espère franchement que Sterling et les autres titulaires vont débloquer le match parce que ça va pas être facile. Très très bonne récupération de Knudsen. Palacios, ce que je fais jouer MJR et son jeu de passe, il fait la différence. Sa mobilité aussi. Il a le profil d'un MJR mobile mais qui va pas être bon dans les contacts quoi. Si on le lui fout pas des gros contacts dans les chicots, ça va le faire. Enfin, heureusement que je commence ma saison face à Amcam, quoi. On va pas se mentir, si ça avait été Rosenborg, j'aurais vraiment pleuré du sang. Dommage. Allez, deuxième opportunité pour Torstenbo. Oh, les contrôles. Mon Dieu, qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. J'ai l'impression qu'on va. Ça va être compliqué. J'espère vraiment que là, moi qui rigolais des coups de pied arrêtés tout à l'heure, j'espère vraiment qu'on va en mettre un parce que c'est typiquement le scénario de match où un coup de pied arrêté pourrait nous sauver là. Même si je savais que je suis peut-être un peu dur avec mes remplaçants, mais ça va être que du croquage comme ça. Hein. Que du croquage comme ça. On domine, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, mais. Ah, c'est le gardien qui l'arrête, j'allais dire encore une tête à côté. Mais ça va être dur, ça va être long et dur. Et je m'arrête là, peut-être vous savez ce que ça à quoi ça fait penser. Alors, Iceland prend son temps. Magnifique Pirlo pour Torstenbo. Ces coups de pied arrêtés vont devoir faire la différence. S'il vous plaît. Aitaman, lui, très très bon milieu de terrain. Sterling, bien repris par Tonnesen. Très bon. Counter-pressing, mais pas de récupération. Palacios, Aitaman. Palacios qui va essayer de créer du jeu. Pierre le repoussé sur Sterling. Hoyland, Aitaman. Oh, le poteau! Putain, mais il a une super frappe de loin. C'est baisé, lui. Hein. Alors qu'il a 11. Allez, Anderson. Le bon centre. Ostensen s'est repoussé. Hoyland, Sterling. Ça cherche à frapper, mais on n'obtient rien du tout.
Coup franc de Torstenbo, pas cadré. Et beaucoup d'action hein, sur ce premier quart d'heure de jeu. Quel Pirlo! Marqué. S'il vous plaît, marqué parce que en 15 minutes, on a un nombre d'occasions, c'est hallucinant. Et j'ai pas envie que. Ah oui, j'ai pas envie de m'en mordre les couilles. Hein. Allez, pressing. Allez, allez, allez. Voilà. Gêne la relance. C'est tout ce que je vais te demander, Ostensen, aujourd'hui. Je sais que tu vas pas marquer un enroulé pleine lucarne, donc. Gêne la première relance de façon à ce qu'après, derrière, on puisse organiser quelque chose. Une action qui part d'un 6 mètres de gardien, à chaque fois, je kiffe. Ah, il est bien ce 4-2-3-1 là. Il est très très bien. On continue, on progresse avec le ballon. Voilà. Hollande, très bon ballon pour Sterling. C'est un peu long. Ah, c'est son contrôle qui a été nul. Là, c'est pas le ballon. Attention, haute coupe. Hönsrud. Ça va. Il est très très bas, leur 4-4-1-1. Je pense qu'il joue avec ailier défensif, MJRDF ou MADF. Je suis déjà en offensif. L'avantage, c'est que tactiquement, je peux rester les bras croisés. Hein. On est déjà en offensif, donc. Palacios, limite, il va falloir que tu prennes ta chance, mon grand. Oui, t'as une opportunité. Oh, mais non. Ah, putain, à 16 mètres plein axe, ça doit être dedans, ça, mon grand. Surtout toi, qui es un vrai attaquant. Cette attaque-défense. Putain, ça croque, hein. Ah, ça croque. Une occasion sur un corner, c'est jamais trop du croquage, c'est repoussé par la défense. Aïtaman, il a une bonne frappe. Il cadre tout. C'est hallucinant ce mec. Hein. Allez, 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 allez. Aïtaman, Palacios, Island. Palacios, Island, Hollande au but. Il obtient très bon coup franc plein axe. Très très bon coup franc plein axe. Allez, s'il vous plaît. Il faut débloquer, les gars. Faut débloquer. Il est magnifique. Absolument magnifique. 1-0. Torstenbo. De quoi? Mon replay? Ralenti, réalisateur. Et ça lance direct avec un autre replay pour eux. On se prend un engagement FIFA. Il est très bon ce pressing. J'ai pas eu mon replay. Ça me soulage. On débloque le match. Bon, j'avais dit que ça allait être par coup de pied arrêté. Encore une fois. On a blessé un joueur de chez eux. Allez, Maitama, Vevatne, Torstenbo, Vevatne, corner kick. It's a corner kick for the Viking. Torstenbo, Knutsen. Les coups de pied arrêtés, c'est la vie. Aïtaman, deuxième poteau Sterling, 2-0. Je me sens beaucoup mieux. On domine outrageusement Amcam. Regardez un peu les notes, je suis un peu plus calme. Mais c'est parce que ce match-là, j'avais vraiment peur. Je regardais à vite fait les notes de Ruland et de d'Ostensen, qui sont pas prévues pour ce poste, on va dire. Et ouais, effectivement, 6,70, 6,80, je crois. C'est pas extraordinaire. On défend très très bien là. On a très très bien défendu là-dessus. C'est très bien. Franchement, là, je. Comment dire?
Vu qu'on est aujourd'hui dans pas mal de citations de films, j'ai envie de vous dire, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Surtout que c'est forcément après une promotion, on est toujours en mode mentalité Giroud, donc c'est 3 points face à un adversaire direct. Hein. Il faut d'abord penser à éviter la relégation, même si mon comité de directeur veut direct viser le milieu de tableau, hein, vu qu'eux ils sont sous coke et tout, mais c'est un très bon résultat si on s'impose aujourd'hui. Je voulais juste faire ça par rapport à mes joueurs. C'est très bien, c'est une très bonne prestation globale. Je sais même plus quoi dire. Hein. Bah après là, pour le coup franc indirect, c'est le seul. Attendez, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon. Attendez, on perd pas le ballon. Torstenbo. EC. Ah non, je les ai travaillés les coups francs indirects. J'ai fait les combinaisons sur coups francs indirects. C'est juste ceux qui sont excentrés que j'ai pas fait. Ouais. Donc, ouais, bah ouais. Oh putain. Pour ceux qui veulent aussi avoir autant de coups de pied arrêtés, je vous invite à regarder les replays sur YouTube. C'est le replay de la saison 1, épisode 4, je crois, où je m'occupe des coups de pied arrêtés. Franchement, je vous. Après, moi, c'est d'autant plus présent parce que j'ai une équipe de promus. Et que les coups de pied arrêtés, c'est forcément hyper important dans des matchs où tu blindes derrière, où tu. Bon, là, c'est pas un bon exemple, tandis que je joue en offensif, mais je suis face à un adversaire. Je suis supérieur à mon adversaire du jour, mais. On peut imaginer des scénarios de match où j'arrive à arracher un 0-0 face à Rosenborg, par exemple. Et il suffira peut-être d'un corner et boum, et on ouvre le score. Et si. Je pense pas que je gagnerai à Rosenborg, mais si ça peut me permettre de passer de 1-0 à 1-1 et puis je vais chercher le point du match nul à Rosenborg, ce serait génial quoi. Il y a plein de scénarios comme ça où quand on est promu, les coups de pied arrêtés, ça vaut le coup d'y passer du temps. Alors par contre, oui, moi j'ai tryhard parce que j'ai passé 2h30 dessus, parce que je voulais faire quelque chose de propre pour trois tactiques, de façon à ce que si pendant le scénario d'un match je passe en 3-4-3 et qu'en passant en 3-4-3, c'est pas du tout adapté tous les coups de pied arrêtés. Et ben je me trouve à prendre un but sur coup de pied arrêté juste parce que j'ai changé de tactique. Bon, ça aurait pas été cool quoi. On va faire un petit changement, 81e minute. Ostigard à qui je vais donner un peu de temps de jeu. Et Alex Pinto aussi, deux défenseurs. Globalement, ma défense, pour l'instant, je suis fan hein, de ma défense centrale, de mes latéraux. Vevatne, je suis moins fan parce qu'il n'est pas très technique. Mais s'il reste juste propre comme ça. Tout le long de la saison, ça va être cool. Ça va être vraiment très très cool. Romy, ouais, bien joué. Palacios. Ostigard, Torstenbo. Ostensen, il n'aura rien fait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Très bonne récup d'Alex Pinto. Ce jeu long, il n'est pas bon. Très. Belle parade de Rosbach malgré que il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu. Il y a carton rouge. Hoyland s'est blessé. Oh putain les gars. Palacios, Aitaman. Très bon ballon pour Alex Pinto. Oh, Vevatne à gauche. Vevatne à gauche. Bien vu. Un bon centre. Ostensen! C'est le gardien qui l'arrête? Jacob Eberts? Ah non, pas du tout. C'est contré par le défenseur. Torstenbo au corner. C'est coupé par Knudsen. Dommage. On s'est provoqué 2-3 corners intéressants, 2-3 situations intéressantes sur corner. Vu. But refusé. Hors-jeu apparemment. Puis voir. Je veux pas. Ça. J'ai pas eu l'occasion, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, je suis désolé, mais je crois que y avait pas hors-jeu.
Bon, on n'a rien vu, bien évidemment. Victoire 2-0 face à AMCAM. Ils sont bien, c'est très très bien ces 3 points pour le début de saison. Je suis très content, trop sûr de lui. On va rester sur un ton calme. Belle victoire, les gars. On a fait le taf aujourd'hui, tout simplement. On a fait le taf. Il y a du 7-60 au milieu de terrain sans faire de passe D et sans marquer de but. À mon avis, il va y avoir des petites stats que j'aime aller regarder. Surtout du côté de Palacios, que j'ai mis pas du tout à son poste, mais il a les stats pour. Donc, si vous voulez, c'est pas dérangeant. On a un Palacios qui termine à 3 passes clés, 114 ballons, 95% de passes réussies. 3 dribbles, 3 tirs 0 cadré. C'est le seul point noir de son match. C'est dommage, mais il fait un 7-6 parce que 95% de passes réussies sur 115 ballons, c'est énorme. 3 passes clés aussi. Tommy Hoyland fait 3 passes clés sur le match finalement. Il s'en sort pas trop mal. Kasaya Sterling, 7,6 passes. Pardon, il fait une passe D. Mais il y va de son but aussi, non? Il marque pas? Putain, je suis décalé dans les lignes. Ah non, il est là, pardon. Un but. Et Aitaman termine avec une passe D, 7,6, 86%, ouais. Ouais, Tommy Hoyland me surprend du coup là. Je pensais pas qu'il allait être aussi. Vevatne et Anderson Lewis ont été géniaux. 28% de centre réussi. C'est très très bien ça. Les latéraux qui ont été très très forts. C'est. On a eu des très très bonnes opportunités de centre. Après, le problème, c'est que ben, j'ai un peintre en attaque. Donc forcément, 6-6. Il a 7 ballons, il a 100% de passes réussies, le pauvre, mais il est nul. Il est nul, nul, nul. Et donc ouais. C'est pas grave. Je n'en veux pas parce qu'on s'impose. Donc. Tommy Hoyland, blessé 10 jours, ça passe. On les prend, hein? On les prend, ces 3 points. Amcam, c'est un peu des jambons. Ok, des blagues. Moi, j'aime bien les blagues bilingues. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'accepte. Elle est importante cette victoire, carrément. Elle fait du bien. Il va falloir un peu après estimer nos adversaires. Ça y est, on est lancé dans la saison, donc je ne veux plus trop voir d'entraînement physique. Je glisse, comme d'habitude, des petits entraînements de coups de pied arrêtés. Voilà. Voilà, on va commencer à enchaîner les matchs, donc il n'y a plus besoin d'entraînement physique. On les a fait. Voilà, on glisse rapidement. Hop, une semaine sur les corners ici, là un peu sur les coups francs offensifs. Voilà, des matchs comme face. Ah ouais, y a un Rosenborg qui arrive en plus. Pop, 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 pop. On va faire attention. Hello, Touma, j'espère que ça va bueno comme le Kinder. Effectivement, effectivement, continue. Je crois qu'on est dans la bonne humeur aujourd'hui. Ça se passe bien. En tout cas, au niveau de la blague, on est sur un certain niveau aujourd'hui, messieurs. Donc c'est bien. Elle est bien cette victoire. Ça va être compliqué les blagues franco-norvégiennes. Pardon. Les 19, j'ai pas eu de screen. Vous jouez dans 2 jours, je crois. Je viens de le voir rapidement à l'écran. Face à Rosenborg. Ouh. Face à Rosenborg, qui est premier. Je vous mets vite fait le 4-2-3 contre-attaque. Pour que vous puissiez vous entraîner là-dessus. Et on va voir si je fais le bon choix. J'espère que je fais le bon choix. Allez, les U19. Je vous ai mis le 4-2-3 en contre-attaque. De toute façon, moi, face à Hauts. Ah, quoique j'ai gagné face à Hauts 3 à domicile. Tigin ou Tige 2 qui marque, Beignot? Est-ce que tu vas mettre encore une Pirlo pour Tigin ou Tige 2, tu penses? Ça serait stylé en vrai. Bah, surtout Tige 2 est pas en grande forme. Hein. Toujours 0 but pour Tige 2 qui n'a pas débloqué son compteur. Autant Tige 1 a mis une magnifique tête sur un centre sur un de tes centres. L'équipe réserve qui s'impose. Stansen a joué, Romain a joué. Johan Mikkoutsen aussi a joué. Merde, putain, mais vous avez du coup. Oh, ça va tout gâcher. Oh là là, vous allez vous prendre une branlée contre les Vikings.
Contre les Rosenborg, U19. Oh non, ça gâche tout. Ah, oh, c'est chiant ça. Bah ouais, c'est évident que vous allez perdre. Ah, oh, c'est chiant. Putain, c'est vrai que, bah oui, il n'y a personne en réserve, donc c'est normal que le jeu prenne en U19. Ah ouais, mais c'est chiant quand même. Bon, stop, et tous ces continus qui servent à rien. C'est chiant ça, putain, ça me fait péter un plomb à chaque fois. Ah, mais ils ont joué les U19 ou quoi? J'ai skip. Merde. Calendrier U19. Ah bah oui, mais c'est évident. Bah c'est évident, c'est que des. Après, moi du coup, je me retrouve avec bah ouais, Viking U19 avec que des joueurs grisés. Ah bah ouais, enfin, c'est logique cette défaite. Personne n'a joué, donc. Vous avez joué pendant le match amical de l'équipe réserve. Oh, ils sont nuls, hein. Ils ont perdu à Vålerenga. 4-2-3 aussi. Est-ce que. Ouais, mais c'est dangereux. Est-ce que je jouerais pas le 4-2-3 offensif à Odds? Qui a pas l'air chaud du tout. Moi, j'aurais le retour de Trippic, je crois, devant. C'est présomptueux. Hein. Après, tant qu'on fait pas d'erreur, on ne sait pas, quoi. Allez. Østigard qui fait un bon entraînement. Ah, c'est chiant. Par contre, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est pas irréaliste. J'ai plus besoin de la lumière. Il y a re du soleil là. Tu vois? Non, c'est bon, on voit toujours aussi bien. J'illumine de toute beauté. Mon entraîneur adjoint, lui, me conseillerait plutôt de repasser en prudent. Ouais, je suis pas favori, hein. On va la jouer safe. J'ai écouté mon adjoint, je vais écouter les médias. C'est vrai qu'on est à l'extérieur, on est un promu. Soyons prudents. Et suivant le déroulement du match, si je sens que j'ai la main, on passera en offensif. Pas mal, Zangief. Haute ball club. L'équipe B, du coup, en match amical, il y a qui a joué? Solatino. Goldberger, Romain, Miku. Ouais, ok. Sim Sim. Ouais. Et du coup, la U19, vous jouez 4 jours plus tard. Donc, normalement, ça devrait le faire à peu près pour les conditions physiques. Pour le match face à Mionda. Mais ouais, putain, ce match à Rosenborg qui était clé pour le championnat U19, c'est dommage. C'est con. C'est con, c'est con. Sept mille trois cent soixante-huit abonnements. Ça fait 6 400 de plus. C'est bien ça. Deuxième match de la saison face à Aude. Aude. Faut que je pense après ce match à faire un petit peu de repos pour mes joueurs, étant donné qu'on enchaînera par un match de coupe 3 jours plus tard. Retour d'Ibrahimaj en numéro 10, ça va faire du bien. Retour de Trippic. Alors, on va le mettre à la place d'Ostensen. Et je vais mettre Sterling en pointe pour ce match. Torstenbo fait un match. Bah, il marque le coup franc. Il fait un match. Ouais, autrement, c'est bon, il fait un tir, un cadré, un but. Enfin, non, 4 tirs, un cadré, un but, pardon. Sinon, son match n'était pas extraordinaire quand même. Ibrahima Jandic. Ah, bah ouais, mais non. Je suis con, moi. On va remettre Palacios en pointe. Je suis un peu emmerdé. Sterling peut jouer en 10. Palacios en 10, ça peut être cool aussi.
Complètement. Ça peut être complètement cool, on passe avec Sterling en pointe. Pas la sauce, ça va être notre couteau suisse en fait. Hein. Elle est belle cette équipe là. Ostensen, au moins sur le banc de touche, respecte-le. C'est bien ce qui me semblait. J'ai juste oublié de faire ça. Ça me paraît bon le reste. Let's go! Let's go, boys! Les tactiques sur coup de pied arrêté, je ne les ai pas mises sur le workshop, mais elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. La vidéo Fernando Cavenaghi, saison 1, épisode 3 ou épisode 4. Et j'ai passé 2 heures et demie dessus. Mais parce que je l'ai fait sur 3 tactiques. Donc vous passerez moins de temps. Mais je vais mettre Soon sur le workshop, voir comment je peux mettre ça. Non, pas non. Je vais peut-être le mettre en long résumé, ce match, je vais voir rapidement comment on se comporte tactiquement. Si on est en contrée, mais qu'en fait on affronte une équipe qui joue la serrure et que du coup ça nous empêche de contrer et que c'est eux qui prennent l'avantage sur le jeu. Et qui peuvent nous marquer des buts tranquillement sans prendre de risques. Dans ces cas-là, je repasserai en offensive. En tout cas, déjà, ils ont la main sur le jeu, ils avancent tranquillement. Donc, très belle parade de Rosbach. Ils sont avancés un peu trop tranquillement à mes yeux là. Ibrahimaj s'est bien repoussé. Oh, il stoppe la contre-attaque là. Carton jaune. C'est bien arbitré. Vevatne. Knudsen. Islan. Ça repasse sur Rosbach. Rosbach qui n'est pas gêné. Gardien libéraux. Tripic. Tripic qui va repiquer. La frappe de Tripic. Dommage. Pas facile de frapper comme ça. Avec un pied droit. Allez, Barnes. Quel tac de Vevatne. La vache. Putain, mais il se met au niveau de la première ligue, lui. Tripic, ça fait deux. Un peu moins, un peu plus déçu. Hein. Torstenbo, Vevatne, Aitaman, Palacio, ça a été bien enroulé. Je suis en théorie sur du contré et j'ai quand même un bon gros 60% de possession. Et il joue à 2 à l'heure. 1v1. Ouais, je l'ai. Ouh, putain, je la voyais dedans. Ouais, ils sont très attentistes aussi. Il faut faire très très attention. Ce serait prétentieux de passer. J'hésite à passer en offensif en fait. Comme sur le match amical où on les a battus. Tripic. Allez, encore, encore et encore. Voilà. On repart de l'autre côté. Ça m'a mis les joueurs au bon endroit. Juste, je vérifie ça. Palacios, Torres, Boston et Naïta m'a dit mon image. Yes. Je prends des risques, mais bon, j'en paierai les conséquences. On n'est pas très bon sur les tacles aujourd'hui. Rosbach, Knudsen. Vevatne, Ibrahimaj, Torsteinbo. Très bon ballon pour Sterling. Repoussé. Palacios. Tripic. Il est pas beau. Il est pas beau ce but, mais on le prend. Et je crois que j'ai bien fait de passer en offensif. Je commence à beaucoup aimer ce Palacios. Même si là, moi, c'est la course de Tripic qui vient rentrer dans Palacios. Le but est pas beau, c'est un dégagement et but du cul de Sterling, mais on le prend quand même. Là, par contre, ça serait presque intéressant de passer sur une catenaccio ou un contré. Parce que normalement, ils doivent réagir là. Enfin, ils vont devoir, pardon, réagir. Sterling, les dégagements longs sur Sterling, c'est pas forcément une bonne idée. C'est but ça. Oh, bien repoussé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Faut que je regarde hein, juste par rapport à mes relances, quel est le pressing que me fait Hodes Ball Club si je dois dégager sur un latéral ou un central.
Rolandson. Il est pas mal notre positionnement. Ils sont obligés de forcer comme ça. Ouais, non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, mais s'ils doivent forcer par du jeu direct, faut juste pas que ça passe. Torstenbo, coup franc excentré. Très beau. Quel retour de Palacios. Putain, quel match. Enfin, quel joueur surtout. Sterling, pardon. Pourquoi Sterling? Ça me fait penser à la montre que j'ai de la marque Sterling, à mon avis, c'est pour ça. Quel ballon de Vevatneux! Il est monstrueux, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Attaque! Le toit là, par contre, il est en retard. Oh, purée, très bien défendu. Mais, oh là, putain, des Pirlo sur Sterling. Allez, Trippic, c'est bien récupéré. On se fait pas contrer. Super ballon pour Anderson. Voilà, je préfère que ça passe côté droit. Anderson est beaucoup plus doué techniquement. Bon après-midi, Mouillat de Game. Merci d'être passé. Il se livre, Sterling. Ok. Là, on commence à discuter. Très bon. Très, très bon, ça. Aïe. Bon, on a toujours la possession, mais comme on est en mentalité offensive, on est plus entreprenant dans le jeu, c'est bien. On utilise mieux le ballon, je pense. J'ai bien fait de passer en offensif. Okay, attends, par contre, Palacios, je vais... D'ailleurs, Georges, hein. Palacios, je vais faire une compil YouTube, sincèrement. Il n'y a pas hors-jeu? Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Trippic, le contrôle à poitrine. Oh, la reprise de volée plein coin de Torstenbo de 0. Ouais. Question. Oui, voilà. Merci l'arbitre parce que j'étais pas sûr. Ah, j'ai pas le temps. Attends, pause. Ah, j'ai pas le temps. Ça bug à chaque fois. Vas-y, alors je vais avoir le temps. Attends, stop, pause. Voilà, mets-moi l'outil. Que je dézoome. Analyste de données. Voilà. Ah non, c'est couvert, hein. C'est couvert. C'est couvert par le décès. Mais alors du coup, quel ballon de Trippic! Il est magnifique. Ah ouais, bah ouais, j'ai bien vu. Merci pour le replay. 2-0. Nice. Nice. Very nice. On n'est pas à l'abri quand même d'un but de Odds. Allez, c'est très bien défendu. Sterling. Oh, il est seul. T'es seul, mon grand. Oh, t'es seul, mon grand. Doucement. V29 de la tête, c'est quelque chose. Hein. Par contre, ouais, sur le 1v1 avec Barnes, c'est très bien centré. Elle est magnifique. Là, celle de Barnes, c'est comme celle de Trippic. Hein. Un peu, t'es loin, t'es loin. Oh là là, quel ballon. On peut rien faire. Ça va vite le football. Hein. Attends. Mes centraux sont pas prêts. Juste ça. On va essayer de plutôt privilégier la relance dans l'axe. Leurs ailiers sont très hauts sur le terrain. Donc, Vevatne de la tête. C'est très bien, mon grand. Allez, Torstenbo. Ibrahima, Jaitaman, Palacios, Sterling. Et ah, il fallait faire l'appel. Là, il a manqué juste l'appel croisé de Trippic. Ibrahimaj, Trippic, justement, qu'on retrouve. Anderson, que j'aimerais un peu plus voir. Trippic, Aitaman, t'as une bonne frappe, mon grand. Torstenbo, t'as amené le. T'as fallait pas faire ça. T'as mis ton pote dans la merde. Anderson Lewis, il a combien en courage? 2 ou 3, 2 ou 1? Ça fait plusieurs ballons qui me. 13 en courage, putain. Il va pas au duel et là ça permet une contre-attaque très facile du coup pour nos adversaires, mais oh là là, pardon, j'ai coupé le souffle. Quel ballon fouetté de Palacios. Anderson Lewis me déçoit pas mal. Je pense que Pinto, notre prêt de
de Benfica va avoir du temps de jeu là. Ça fait, c'est pas normal ce qu'on gâche sur ce côté. Pas ce corner là au deuxième. Je l'aime pas. Oui, bien défendu ça. Très très bien défendu. C'est fini depuis 1 minute. Ok, bon. Ok, on retourne dans l'écran tactique. J'ai un problème de perte de balle avec Islan. Ah, je peux pas mettre lui, je dois jouer plus court. Bon. Anderson Louis, c'est à 6,50, oui. Mais c'est que je l'ai bien vu, ça, il n'y a pas de souci. On est plusieurs joueurs à 6,50. Aitatman n'a pas pris de bonnes décisions non plus. Je l'ai pas vu frapper de loin, donc globalement, ça déjà, ça surprend. Mais ouais, côté latéral offensif, ça a manqué de bonnes prises de décision. Je l'ai bien vu. Ah, et Tatman qui balance encore devant. Ouais, ils sont de retour dans le match. Je réagis trop tard, je le sais, mais parce que là, ils vont marquer, je pense. Décroche! Ouais, putain, il m'a fait peur. Oh non, 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 alors ça, c'est but. Oh, cette perte de balle extrêmement bizarre non, ça c'est but normal. Oh putain. Sur le corner. Extrêmement bizarre comme décision. Rosbach qui rassure la défense. Ça, normalement, quand ça fait des décisions comme ça. Là, je sentis qu'on a perdu un peu le fil du match, donc on repasse de manière plus prudente. What? Je joue un peu plus prudent. Après, c'est la logique du match. C'est Odds est à domicile. Il y a 2-1, donc ils vont pousser. J'hésite même à passer avec la Catenaccio parce que. Bon, si ça frappe de loin comme ça me va, mais sinon. Relance courte sur défenseur central. Merci. Enfin, sur centraux, il y en a deux d'ailleurs. Ouais, tout revient dans leurs pieds. On va passer en Catenaccio. Je me prends même pas la tête. Je blinde derrière avec la Catenaccio. Libre imagin, Palacios en libéraux du coup. oui, effectivement. Plutôt Etatman à la limite. Et Ibrahim en box to box. Là, on se fait vraiment dominer et c'est vraiment dangereux. Je suis obligé de faire ça. Il attaque. Ouais, c'est buggé. Quand tactiquement vous êtes dominé, les joueurs ont un comportement full n'importe quoi. C'est dommage. Allez, Torstenbo. Ah, et puis forcément. Ouais, et par contre, les contre-attaques, ils sont vraiment très offensifs, hein. Là. C'est juste gâché parce que c'est un comportement stupide de Sterling. Mais c'était un vrai 1 contre 1, là. Par contre, là, ça me coûte cher, Sterling. Ça me coûte cher, là, tes occasions. Hein. Allez, Rosbach qui rassure la défense. Là, j'aime pas ces matchs en long résumé parce que c'est que des matchs, des replays qui font mal au ventre. Tu sais pas si ça passe ou pas. Par contre, attendez 2 secondes. Ah oui, ben non, ça c'est le Catenaccio, ça balance. Parce que si on balance tous nos dégagements, on va perdre tous les ballons et ça va être que des phases de possession comme ça. Et ça va être chiant. Alors que si on relance court. On a un avantage numérique avec 3 défenseurs centraux. Alors ça, par contre, c'est juste nul. Sondre, Rosbach. On va faire jouer Lamrone en équipe première, quoi.
Mais non, mais... Prends la profondeur, putain. Voilà. J'ai compris, FM, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, t'en veux pas. Tac, Knudsen qui a passé en libéraux. Palacios, si, ça. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Considéré comme le futur Michael Owen. Et que la partie où il est à l'infirmerie, quoi. Putain. La balle de match, elle a été jetée là-dessus. Et ça, c'est dur. C'est très dur à accepter. Allez, Ibrahimage. De l'inspiration, Ibrahimage, s'il te plaît. Et oui. Putain! Ce changement tactique de génie! Ah! Qu'est-ce que je kiffe ce jeu quand t'as un impact. Ah la vache. Eh oui. Oh là là, elle est magnifique, pleine Lulu. Elle est absolument magnifique là, la reprise de Palacios. Voilà, je suis en catenaccio, donc on peut pas plus blinder derrière. Allez, tenez, tenez jusqu'au bout les gars. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Hein, concentrez-vous, je pense qu'il va faire le taf derrière. 4-2-3-1, giga offensif. Voilà. Ça, par contre, ça me fait. Allez, la profondeur pour Palacios. Très bien trouvé, ça. Allez, va garder le ballon. Tripic. Quelle parade d'Obdal. C'est très, très bien. Le corner, tranquille, les gars. Tranquille, tranquille, tranquille. Frappe. Par contre, personne réagit là. Oh putain. Ouh. Très, 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 très belle victoire. Putain, j'ai. Il a fallu se creuser la tête tactiquement. Mais je crois qu'on a fait des mauvais choix en early et des très bons choix à la fin. Surtout ce changement de Palacios parce que Sterling n'arrivait pas. N'y a pas, n'y est pas arrivé en pointe aujourd'hui. Et bah, il marque un but du cul, donc forcément. Et le petit changement de Palacios à la fin qui fait toute la différence. Putain, je suis trop content de moi. La vache. Et pas la sauce, je vais vraiment devenir fan. Hein. Et oui, la Catenaccio. La Catenaccio qui fait la différence. Super match de Trippic. Revenu à temps. Il revient et il fait déjà du lourd. Ça me fait chier d'être sans des mecs comme Jean-Carlos là. Putain, j'aurais trop aimé voir. Deux victoires en deux matchs. Je vais juste regarder quelque chose. Puis d'ensemble phase. L'année dernière, les premiers sauvés de la relégation. Donc le premier, c'est Sarpsborg, avec un total de 35 points. Ils ont fait 8 victoires au total sur la saison et 35 points, ça les a sauvés de la relégation. 10 victoires, t'as un Sandefjord, 4 matchs nuls, c'est pour ça. Faut qu'on aille chercher 10 victoires, on se prend pas la tête. Et on a déjà fait 20%. C'est ça, de toute façon, faut enlever un zéro. 20% du travail a été effectué déjà en deux matchs. C'est très bien. Continue ainsi. Il faut continuer, les gars. Amcam fait 2-2. Gerv a perdu. Very good. Super. Super, super. C'est très très bien, les gars. Palacios, C'est Nuremberg qui a ce joueur, d'accord. Ça s'est formé à Nuremberg. Formé à Wolfsburg, puis Leipzig. Espagnol. Qui a fait toutes ses gammes en Allemagne, du coup. D'accord. Match de coupe, rotation, mais pas avoir une si grosse rotation que ça en fait. Hein. Va y avoir du temps de jeu pour Østigard. On est face à Kristiansund, équipe de première ligue. Ah merde. Est-ce que je m'en bats les couilles en jouant en offensif pour régaler le public? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Andersen, ce sera Alex Pinto, ce sera Ivan Hotzbo au cage, bien évidemment. Le remplaçant de Vevatne.
Bah, il y aura du Tommy. Je regarde si j'ai Ousmane Salé ou quoi. Ah, si je m'y prends à temps, on va peut-être faire jouer du 19 en équipe première, les gars, non? Priorité à mes remplaçants, peut-être. Mais en milieu de terrain, il y a des places à prendre là. Je pense qu'on va les regarder du. Qui est-ce qui a la condition? Milieu de terrain, Sim. Et Johan Mikou. Ah, 72, c'est trop juste. En équipe réserve, peut-être en B. Ils sont tout à fait fatigués également. Mais bon, dans 2-3 jours, ça ira mieux. On va peut-être faire jouer Sim. Sim et Mikou de Sen. Bah, Sim pourrait jouer box to box. Qu'est-ce qu'il préfère? MJR soutien? 4 en volume de jeu. Et Johan Mikou de Sen. Ouais, c'est pareil, de toute manière. Il y a Romain aussi. Box to box. Droitier exclusif. Il faut que je change le placement après. Moi, je me laisse encore un petit jour de réflexion. On va faire. Il va y avoir du 19 quand même. Après, bah, Pierrot mériterait quand même. Je vais mettre Pierrot en équipe première. Il mérite. Enfin. Vraiment, si on joue le réalisme, Pierrot et ben, la défense centrale mérite. Après, j'ai un. Ben, Pierrot, je vais faire monter Pierrot. Après, Romain est à 7-18 et j'ai besoin d'un milieu centre. Donc, Romain mérite de monter en équipe première. Je vais en faire monter que deux. Je vais voir si ça suffit. Soyons réalistes. Ce sont les deux joueurs de l'équipe U19 qui ont le mieux performé depuis le début de la saison. Donc. Bah, c'est l'occasion, un match de coupe, quoi. Ça, c'est enfin, c'est con. C'est con qu'on affronte direct une équipe de première ligue norvégienne, quoi. Parce que bon, ça peut peut-être terminer l'aventure aussitôt, quoi. Mais les matchs de coupe, c'est l'occasion de voir des petits jeunes formés au club. Salut Jack, ça va bien et toi? Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, messieurs. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ça va mieux, j'ai un peu moins froid. On continue, nu. Match de coupe. Alors, on a dit, on va mettre Hoyland, donc qui est blessé ici. On a Romain. Donc attendez. Ah, il y a Ousmane qui revient de blessure. Parfait, ça me permet de sortir Palacios qui va se reposer. Ostensen, je vais lui donner un peu de temps de jeu pour le reste de la saison. Torstenbo est pas mal fatigué. De toute façon, là, Romain. Romain, tu vas jouer ouais, droitier exclusif. J'ai la flemme de changer la tactique, donc tu vas jouer MJR sur ce match. Ah, t'es 79% de condition. Non! Ah, je pensais que ça allait remonter. Non! Le Pierrot, il est à fond, lui. Ah, ça fait chier, putain.
Je te mets sur le banc de touche. Ça, c'est sûr. Rentrer en cours de match, du coup, on va faire. Ah, ça fait chier, du coup, quand même. Ah, putain, je joue avec Trippich et tout. Je vais sortir Trippich, on va mettre Sterling. Alors, si je fais plutôt ça, j'ai l'impression FM ça lui plaît plus. Ça lui plaît beaucoup plus que je fasse ça. Ah merde, voilà, c'est mieux déjà. Par contre, Pierrot il est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Pierrot il est pas fatigué. Ostigard. Ostigard qu'on va mettre plutôt ici, à la limite. 8 en passe, faut que je lui pense à enlever défenseur relanceur. Ibrahim Ajaï. Ah non, ça me fait chier de les faire jouer. On a un match trop important après face à. Vas-y, bats les couilles. Romain, tu joues titulaire. Non, je peux. J'ai le match d'après est vraiment très trop important. J'ai que Jakob Jørgensen. En U19, j'ai personne en. Alors jusqu'ici, ça passe. Ah, Simpson est dispo. Sim en équipe première. Je préfère sacrifier ce match-là et de faire une rotation. À la limite, je switch les rôles après. Faut que je pense à sortir à faire une rotation au niveau des. Je peux pas. Surtout pas de Palacios. Ne fais surtout pas jouer Palacios. Let's go avec cette équipe-là. Romain, Sim, Pierrot, titulaire en Coupe de Norvège. La débauche, Jack, tranquille. Ça avance. Plutôt bien, Jack. Deux matchs, deux championnats, deux victoires. Je suis très content. Tige 1, tige 2, absent aujourd'hui. Mais ouais, mais j'ai besoin de donner du temps de jeu au Stenson. Et je voulais le faire un peu aussi au mérite. Romain mérite d'avoir du temps de jeu. Pierrot aussi, c'est les deux meilleures notes moyennes de l'équipe U19. Donc. On y va les gars, c'est parti. Allez les gars, on se fait plaisir. Les jeunes, on est détendus pour ce match, ça va bien se passer, je vous fais confiance. Voilà, une bonne grosse balle en touche comme ça. C'est bien ça. 4-4-2 en face, on est en mini résumé. Ok. Je, comme d'habitude, je porte assez peu d'intérêt à la coupe. Là, c'est l'occasion de faire une rotation de d'effectifs. Torstenbo, ah, c'est pas décroché. Ah, on attaque mal le joueur en 1v3, ça va être une occasion pour eux, non? C'est très bien joué de leur part. 1-0 Kristiansund. Magnifique. Le défenseur droit, c'est Pirlo. Hein. Plouf. Soril. D'accord. Ça balance des grosses Pirlo sur Pirlo. Quelle bande d'enculés dans le jeu. Allez, Romain Pinto. Le bon centre, c'est repoulé. Sim. Wikstol. Romain? Oh putain, j'y ai cru. Dommage. Elle a contre-attaque. Ok, il joue full contre-attaque. Allô? Le jeu qui était bugué. Ouais, ça va vouloir me lâcher des contres. Ils ont des mobilettes, j'ai l'impression. Je joue un peu plus safe. Coup de pied arrêté, 2-0. Non? Nous, on contre-attaque. Ostensen. Voilà, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses. C'est très bien. Et là, on accélère encore.
16 mètres, plein axe, pas attaqué, il fait ça. Ils me l'ont reblessé, ces fils d'eux? Sérieux? Putain, ils m'ont reblessé où je te garde, quoi. Ousmane Salé, quoi. Romain, Sim, Salé, c'est repoussé. Attendez 2 secondes. Pourquoi t'es à 76 déjà? Alex Pinto, c'est très bien. Torsteinbo. C'était un peu fort quand même. Un tout petit peu trop fort. Ah, j'ai fait une boulette aussi là-dessus. J'avais dit qu'il fallait que je le passe en DCD. Sinon, le reste, ça va. Ouais, bon, on tryhard toujours un petit peu quand même, relancer vers les latéraux. On est face à un 4-4-2. Les défenseurs centraux sont forcément gênés à la relance par les deux attaquants adverses. Allez, les gars. Moi, c'est pour vous ce match, hein. C'est pour avoir du temps de jeu. Oh, putain de jeu de merde. C'est pour avoir du temps de jeu prochainement. Faire entrer Trippic du coup. C'est évident, il blesse que le milieu de terrain dans cette partie. J'ai bien compris. Ouais, on n'a pas. On a. On n'est pas bon. La défense sur corner, seul, enfin, un des seuls. Chose que je n'ai pas faite, ça pardonne pas. Perte de balle de Romain. Oh non, non, le bœuf. Ouais. Bon, c'est dommage. On n'aura pas l'occasion, une nouvelle occasion de voir des petits jeunes en équipe première. Ça se voit que c'est des gens qui sont en manque de temps de jeu parce que le contenu est nul, quoi. J'espère juste que ça va pas affecter. Ouais, il y a Romain qui est en train de perdre ses poumons là. Ah vache, 53%. Et pourtant, c'est de loin le meilleur joueur avec Alex Pinto. Non, non, je suis obligé de penser d'avoir la tête à Rosenborg là. C'est pas grave, on va se prendre. On n'est pas gêné à la relance, sérieux, ben. Allez, Ostensen. Bien, bien, bien combattu. Pirot, duel. Salé, Trippic. Trippic pour Sterling. Très belle parade du gardien. Gardien adverse. Ouais, cet attaquant est vraiment très très nul. Hein. Oh là 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 là. Magnifique changement d'aile. Non, c'est bon. Romain qui va vomir son poumon. Pierrot 6-3. Relance sur latéral. Très bien. Voilà. Et là, on peut créer quelque chose après. Supériorité numérique dans l'axe. Et après, on fait quelque chose, les gars. Pas de la merde, si possible. Dommage. Bon, élimination en coupe. C'est pas grave. Pas grave du tout. 6-9 Romain qui va terminer comme bah, avec la meilleure note. Ça, c'est cool. C'est cool, ça. Oh, Pierrot, je t'avais vu sur le coup franc. Dommage. Bon, dommage, les petits jeunes, hein. Dommage. C'est fini. Après, personne au-dessus de 7, je suis obligé d'être exigeant. Pas normal. Pas normal, pas normal. Problème de finition et 4 semaines pour. M'énerve.
Bon, on n'est pas épargné par les blessures. C'est vraiment étonnant de la part de Football Manager. Non. Sim retourne en U19. Bref, bon, par contre, Jean Carlos, hein, je rappelle, il a 6 en risque de blessure. S'il a encore une blessure, j'appelle la police de Football Manager, je préviens. Jour de repos, jour de repos, jour de repos. Ça va être que pour quelques joueurs seulement. Les U19 qui s'imposent! On va aller regarder ça. Je vais avoir besoin de mettre des jours de repos, surtout à. Bon, en fait, il n'y a que Kasia Stelling. Que Zaya qui va prendre 2 jours de repos. Pierrot qui retourne en U19. Merci Pierrot de ta participation. Enfin. Quit. Merde, j'ai. Pardon. Calendrier U19 de 0. Stansen et Goldbergersen pour son premier but. Qu'est-ce qui s'est passé chez les 19? On gagne sur le tard, hein. 84e, 93e. Dis-moi tout. Oh, Stansen, bien évidemment, le tireur de coup franc de cette équipe avec son 11 en coup franc, qui avait une opportunité à 17 mètres plein axe, 18 mètres. Biche. Ça rentre. Like papa into maman. Et enfin, notre cher Bjørn Goldbergersen. C'est sur une contre-attaque. Johan Mikkoudsen, la Pirlo. Oh là là là. Oh, belle finition, Goldberger. Et ça fait 2-0. C'est bon, ça. Ça donne quoi au classement? Cinquième? Oh, c'est nul. Nul! Mitroglou, nul! Germain, nul! Mais ouais. Peut mieux faire, hein, les gars. C'est possible dans ce jeu que mes joueurs ne sachent plus aligner un pied devant l'autre parce que j'ai assuré ma place et donc plus rien à jouer. C'est possible. Des changements de comportement comme ça, j'en ai eu des très violents également. Notamment, j'étais sur 6 matchs sans défaite. Je sors d'un groupe Arsenal, Milan AC, Spartak Moscou en Europa League, donc avec les Rangers. Dernier match d'Europa League, donc je suis déjà qualifié. Deuxième, plus rien à jouer. Fais une rotation de joueurs du coup. Je prends 4 ou 5-0. Et à partir de là, j'ai fait genre 7 défaites d'affilée. Alors que c'est un match, je n'avais plus rien à jouer. Voilà. Donc ça va très vite. Les changements de joueurs, c'est très 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 surprenant. Faut faire attention, Jack. Ouais, c'est vrai que Romain, il faisait le taf, hein. Il fait le taf. Deuxième meilleure note moyenne, meilleur milieu de terrain de cette équipe U19. Et oui, la Fouine de Regen a eu droit à ses petits surnoms. Goldberger. Mais justement, Kickoff, c'est Goldbergersen. Le burger en or. Et à propos de Burger en or, nous allons affronter l'élite Rosenborg au prochain match. Et je crois que là, ça va être le bon gros Catenaccio qui va être aligné dès le début face à Rosenborg. Je vais même pas me prendre la tête. Je vais pas dire, oh, tiens, on va jouer. Non, non. L'objectif du match, en fait. Ça va être Catenaccio dès le début. Espérer ouvrir le score. Si ouverture du score, essayer de se maintenir avec le Catenaccio. Si 60-75e minute, connaissant Rosenborg, ça va risquer de bourrer un peu. Soit je resterai en Catenaccio, soit je prendrai le risque de passer là et de passer en contre-attaque et de mettre le deuxième but qui va les achever. C'est un peu le plan de jeu que je m'imagine pour le moment. Donc Catenaccio, c'est celle-ci. Select rapide, juste pour sauvegarder avec un truc propre. C'est le plus gros match de notre saison pour le moment.
face à ce légendaire club de Norvège. On va voir ce que ça donne. T'as pas les rapports d'entraînement? Je faudrait que j'aille voir. Putain, la vache. Effectivement, une fin de saison compliquée, Jack. Rosenborg à domicile. Ça va être chaud. Cacao. Chaud, 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 là. Tout le monde est en forme. J'ai bien fait faire de la rotation. J'ai bien fait de faire une rotation. Je vais y arriver. Plutôt Aitatman en B2B, en box-to-box. V29, Anderson, Lewis. Islan, Knudsen en libéro. Østgaard en défenseur central droit. Trippic, Sterling seront les attaquants intérieurs. Et notre Palacios d'amour en pointe. Jean-Carlos, bon, en fait, c'est parfait qu'il ne soit pas encore là pour ce match. Et puis, on est pas mal là en termes de compo. On range les derniers détails. Voilà, c'est bien rangé. Let's go! Ça va être un match très compliqué. C'est un match forcément très très compliqué. Lord Bentner en pointe en plus. Let's go! Allez les gars, on est invaincu en championnat. On est sur un bon état de forme quand même malgré tout. On va essayer de ne pas prendre 7-0. C'est quand même l'objectif. Ok, ça claque des frappes à 30 mètres sur la barre chez eux. Attention. Mal tiré. Lune de mots. Bien, Rosbach. Bien battu Palacios, Sterling. Le scénario de mon match se dessine. Palacios qui prend un ballon de la tête. Sterling sur le côté, c'est un 1 contre 1. Il le passe et le centre. Ah non, c'est un centre à mi-hauteur. Et Palacios. 1-0. C'est pas le moment de m'envoyer des snaps. Pas loin de m'envoyer des nudes, mesdemoiselles. Mesdames, pardon. Mesdemoiselles aussi, ça marche. Bien sûr, Jack, il n'y a pas de souci. Ouais, Lundomo était très bon sur les anciens FM aussi, je crois, hein, Kikoff. Ce nom me dit vraiment quelque chose, Rosbach! Putain, il nous culé va, pardon. Ça nous fait deux erreurs ici. Ça fait deux erreurs. Putain, je veux. Elle va coûter cher cette erreur, je le sais. On est bien dans le match. Hey Tatman, Trippic. Il n'y a pas de dédoublé, hein, forcément. Ça, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué? Qu'est-ce que c'est bien joué si ça va au bout? Ils sortent beaucoup là. Il y a de l'espace, les gars. Et il y a. Oh là là, mais quel but magnifique! Oh là 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 là, mais il est. Oh là 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 là. Aspirer l'équipe dans son camp. Et ce ballon d'Ibrahimaj pour Palacios. Oh là là, il est magnifique. Oh, tout depuis le début est absolument magnifique. Deux, un. Absolument fan de ce but.
J'adore. Qu'est-ce que ça joue bien? Trippich, c'est pas super chaud par contre. C'est au niveau des latéraux, ça chie un peu dans la colle. La défense chie un peu dans la colle. Je peux pas trop leur en vouloir, c'est chiant. C'est que de la rotation, c'est de la danse en fait en Catenaccio. Je fais quand même rentrer Pinto parce que j'aime bien ce joueur. Parce qu'on doit pas, on doit pas perdre l'intensité en fait en phase défensive. C'est toujours intéressant de faire rentrer un défenseur. Il faut pas se. Faut continuer sur ce rythme. Allez, pressing sur Lord Bendtner. Allez, les gars, on continue. Les coups de pied arrêtés. Putain, Bendtner dangereux si je pensais jamais dire ça un jour, mais bon. Allez, les gars, solide. On se concentre. Ouais, ça, c'est des longs ballons de Palacio aussi. Il affecte pas trop. Bendtner qui tire à 30 mètres. Là, ça va. Concentré Roseback. C'est bien. On reste concentré. C'est très très bien, les gars. Ça, c'est une bonne sortie. Je préfère quand tu sors comme ça, Roseback. Hein. Je te le dis, mon grand. Je vais lui remonter un peu sa note à Roseback parce qu'il va terminer avec un 6-2. Ça peut vraiment lui plomber le moral. Déjà qu'il est coupable de deux erreurs. C'est lui qui fait l'arrêt? Ou c'est la barre? Gros! Voilà, relance courte, c'est très bien ça. Trippich, et Trippich, après il va faire le reste. Tu vois, Trippich, 1v2. C'est pas perdu, Alex Pinto, Trippich, à étape. Là là là! Quelle frappe! Mais c'est Patator ce mec! Rachid Patator Aitatman! Quelle frappe d'Aitatman! Alors, on tient en 3-2, ça va être en 3-2. En 3D? Oh là là là! Bon, le gardien. Mais quand même, poteau rentrant, elle est magnifique. On marque des buts aujourd'hui. Oh! Je vais faire ma blague classique, mais c'est le régal de Madrid, hein. C'est. Oh! Waouh! Oh non, ça c'est pas waouh ça. Sérieusement, un coup franc indirect qu'on tire à deux et qu'on rend directement le ballon à Rosenborg. Sérieux, ça j'aime pas voir ça. Oh putain, ça non plus. Ah, oh, c'était pas prévu ça. Ah, oh, c'était pas prévu. Putain. Ah oh, putain. Ah, ça craque là. Alors maintenant, bon. Réfléchis Thomas, 2 petites secondes. Il faut s'adapter forcément. On est ça face à ça. DLD. Ensuite, on joue avec un autre DLD. Knudsen qu'on va laisser en deux, défenseur relanceur parce qu'il est doué. Allez, faut pas se déconcentrer. Faut juste réfléchir. On va partir là-dessus. C'est une sorte de 4-4-1 face à un 4-4, un 4-2-3-1. Bendtner, il va frapper comme un bourrico. Putain, si Bendtner fait des bons choix, on est dans la merde. Faut juste. Allez, faut pas lâcher. Sterling qui perd son. Ouais, c'est tous les longs ballons. Faut pas qu'ils aient des comptes favorables comme ils ont là. Sur deux frappes qui reviennent dans leurs pieds, c'est pas normal. Oui, Roseback. Rassure-moi cette défense, mon grand. C'est le moment de charbonner, je te le dis. Faut pas qu'on prenne ce deuxième but, sinon je vais me chier dessus, quoi. C'est bien quand le temps il passe vite comme ça aussi. Hein. Moi j'aime bien. Je peux pas reprocher le jeu direct. Hein. C'est le Catenaccio. On blinde. Ces ballons-là, ils sont. Bah, ils vont le faire. Hein. Ils vont revenir au score de Rosenborg. Je peux rien faire. Je suis à 10 contre 11. Ce ballon-là, il est magnifique. Hein. C'est pas. Par contre, le placement, c'est pas normal. C'est un défenseur latéral défense qui se. On dirait qu'il est latéral offensif tellement il est 5 mètres en retard sur son marquage. Ça, c'est.
Est-ce qu'on va tenir ces 3 minutes? Oh, on va se faire punir dans le temps additionnel. Putain, c'est dur. C'est pas puni. Oh putain, par contre, pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Solide, les gars, solide. J'ai pas Pierrot derrière, mais soyez solide. J'ai pas Lamrone derrière, mais soyez solide. Faire une faute. Elle est très bonne, cette faute, Aitatman. Elle est très très bonne. Allez, allez, solide, les gars, solide. Defense! Defense! Sa putain de mère, lui! Cette putain de jeu de merde! Là là. La 19e frappe contrée qui revient parfaitement dans les pieds, plein axe. Putain que c'est pas réaliste ce putain de jeu de merde. Oh putain, mais c'est de la chiasse de vomi. Putain, c'est pas possible. Ah, quel jeu de merde. Quel putain de jeu de merde. Ah, putain, ça m'énerve. Oh, putain, ça m'énerve. D'être puni comme ça par le 7e contre en 2 replays favorables pour eux qui revient parfaitement dans leur pied plein axe. Putain. Ouais, c'est autant Jean-Charles Sabatier, lui, il était excité par le but de Bruma. Autant moi, j'ai gueulé parce que c'est un putain de jeu de merde. Mais c'est important de le préciser. Je peux pas être dur avec mes joueurs. Faut toujours se remettre un peu dans le contexte. On vient d'être promu, on affronte un club qui a gagné le championnat des milliards de fois. Est-ce que je me souviens du corner et de la boulette de Rosbach? Oui. Est-ce que le carton rouge, j'en veux à mon défenseur central? Oui, énormément. Est-ce que ce monde est injuste? Oui, bah ça de manière générale. Est-ce que le football est injuste? Encore plus que le monde. Ouais, Rosbach, elle n'est pas si dure à arrêter en plus. Va falloir qu'on discute un peu Rosbach. Hein. Je suis grave déçu de Rosbach. Trop dur quoi. Putain, c'est dur à accepter. Va falloir que je change ça absolument par rapport à. Je le punis aussi par rapport aux relances. Sur le 4-3-3, tu relances là. Sur celui de contre-attaque, à la limite. Je lui mets rien sur celui-là par rapport aux relances. Il faut qu'on contre. Par contre, sur le offensif, ça repart de derrière. Défense sur les latéraux ou sur les centraux. Ou sur les centraux, pardon. À la limite, si. Sur le contre, on va relancer sur les latéraux parce que c'est. On va faire ça comme ça. Parce que là, c'est trop de perte de balles. J'ai pas de poids à l'avant. Si c'est un dégagement direct, ça va être rare quand même qu'on punisse sur une contre-attaque après un dégagement. Ouais, je le faisais pendant un temps, ça aussi kick-off par rapport aux joueurs qui ont un carton. Qui ont un carton jaune. C'est dur, hein. Le petit Grégory, bonjour à toi. Ah putain, je déteste ce jeu. Enfin, je l'aime bien, ouais, on s'entend bien, on a une bonne entente, hein. Mais putain, c'est dur. C'est dur! C'est Rosenborg, hein, c'est 25, 20, oui quand même, 25 premières ligues norvégiennes, c'est un club qui joue la Ligue des Champions chaque année, c'est des gros gros monstres en face, et je regarde pas les joueurs adverses parce que je me dirais, ouais non, ça va, c'est pas si dur que ça encaisser, mais putain c'est dur, hein, la 94e comme ça.
Oui, bien sûr. C'est ça, Jogo. Et c'est le scénario du match qui est dur, hein. C'est très très dur à accepter. Après, j'en veux pas mon défenseur central brésilien. Fallait rentrer dedans. Fallait leur retrait dedans. Fallait avoir cette agressivité face à Rosenborg. Il fallait casser le match. J'ai joué un Catenaccio. C'était projection directe quand on le pouvait. Fallait blinder derrière. Fallait être solide. Et on l'a très très bien fait. Et cette agressivité, elle a été punie un moment, quoi. Parce que c'est comme un match de Ligue des Champions, en fait. Le peu d'erreurs est puni et doit être puni parce qu'il y a un écart de niveau entre Rosenborg et nous. Et on est puni sur des petits trucs. Donc c'est logique, hein. C'est totalement logique. Et ouais, enfin, c'est des joueurs, c'est monstrueux les joueurs qu'ils ont. Ouais. 16 ans centrés et tout. Des Charlie Taylor, qu'est-ce que ça branle là, quoi. Après, ouais, c'est toujours pareil, t'as envie de ressasser. J'ai vraiment envie de ressasser la boulette de Rosbach sur le corner. Suis obligé de l'engueuler à nous. Ah, c'est dur, hein, mais. Je suis obligé de subir, mais. Là encore une fois, c'est pas réaliste quoi. Dernier match, une erreur amenant à un but. Tu vas lui parler et tu lui dis je fais attention à vos erreurs. Le mec il comprend pas, c'est pas réaliste, hein. C'est toujours pareil. Ces discussions, c'est pas tout le temps très très logique. Bref. Bref, bref, bref. Dommage. Super match de Palacios, hein. Par contre, Palacios, j'aime énormément ce joueur. Ah oui, par contre, Anto, ouais, toi qui arrives maintenant. Ceux qui me suivent un peu plus sur YouTube que sur Twitch. Attention à pas trop vous spoil. Par contre, il est complètement nul, lui, là. Mon responsable recrutement, mais il me retrouve un 4 étoiles argentin. Et il a pas tort, hein. En vrai, 13 déter, 11 techniques, 12 dribbles, 12 contrôles de balles, 16 en collectif, 13 décisions, 14 en vision du jeu. Ah, il a repéré quart de au tournoi espoir italien. C'est bien ce tournoi pour les petits jeunes. Parce que ça fait venir un peu tous les pays. Ah, vas-y, on voit. J'ai oublié d'acheter de m'occuper des recruteurs d'ailleurs. C'est ça que je voulais faire. Je vais redescendre un peu en pression de ce match. C'est un super résultat, mais ça passe mal. Ce 94e minute, cette frappe déviée qui revient dans l'axe 16 mètres où j'ai deux joueurs en plus. Ça revient pile poil dans leurs pieds et ils frappent sans contrôle. C'est. Ça, c'est. C'est dur. La pilule est. Oh, Oliver Bierhoff! Oh, bah là, c'est direct. Oh, il veut pas venir. Fuck! J'aurais trop stylé d'avoir Oliver Bierhoff en recruteur. Hans Shriver. Non, je confonds avec Shrivers, le buteur belge, je crois. Sibe Shrivers? Un truc comme ça, un prénom comme ça, un peu à la con. Bah, du coup, non. Kevin Hunt. Recruteur, ouais. Zouf. J'arrive, je vois que ça écrit dans le chat. Kevin Hunt, c'est quoi? Ancien joueur des Bohemians. Oh, de Gillingham! T'es né où? T'es né où, mon grand? Citoyen modèle. Waouh, la personnalité. T'es né où? T'es né où? T'es né où? Ah, t'es né à Chatham! Excellent! Chatham! C'était un quartier pas loin de Maidstone, là où j'ai vécu en Angleterre. Qu'est-ce que j'aime ce jeu? Je l'aime ce jeu, je l'aime. Je t'aime moi non plus, mais oui, ce sera toujours comme ça. Coucou Benio, merci d'être passé. Ouais, effectivement, à jeudi. Merci beaucoup d'être passé, mec. Je ne sais pas s'il s'occupait des attaquants allemands en équipe nationale. Ouais, Oliver Bierhoff, c'était.
Particulier comme style, mais c'était un très bon joueur. Gilles Grimandi, ex-Arsenal, quand même. Oh, ça voudra pas venir. Non. Voilà, fallait être réaliste. J'aime pas les vieux. Bon, c'est un ancien directeur sportif de Nottingham Forest. Mais bon, attends, je vais cliquer voilà, ce qui va être beaucoup mieux. Tony Henry, putain, là. Version discount de Thierry Henry, quoi. 76 ans, mais faut nous laisser, monsieur, maintenant. Hein? Faut y aller maintenant, monsieur. Il y a des jeunes qui ont des difficultés de trouver des emplois. Faut nous laisser maintenant, s'il vous plaît. Merci. Putain, 60, 68 ans. Non mais j'ai craqué, moi je craque aussi. Fais voir la version disco. Oh non, vas-y, non, un seul verre. Ouais, bon, ça ira. C'est bien. On verra plus tard. Ah, les 19 qui ont un petit match aujourd'hui, les gars. Là, il y a du match. Il y a encore une victoire ou pas? Non, j'ai mis la Catenaccio. Je vais vous mettre. Vous êtes bien avec la offensive, je crois. Comme ça. Allez, les gars. Victoire. Je veux une victoire, la U19. Hein. On continue sur ce rythme. Brouma! Merci, Nizi, pour le follow. Bienvenue à toi. Et pour l'instant, nous, on affrontera Sarpsborg au prochain match. Victoire des U. Les gars, vous êtes des monstres. Ça se termine comment? Pierrot 7-5, Solatino 7-1, Begnaud qui nous a quittés il y a 2 petites minutes, 7,4. Sacha, la paire Rochelaise qui termine à 6-9, Johan Mikkoudsen à 7-9, Stan à 7-4. Et Rukawa a marqué également, on va aller regarder ça. Alors, Johan Mikkoudsen, notre cher Werderaner, 44. Oh, c'est bien la 2D aussi quand même. Pierrot, bien sûr, à la récup. Avec Romain. Romain qui porte le ballon. La Pirlo qui passe pas. Deuxième chance pour Romain. Non, il perd le ballon. Mais il continue le counter-pressing après sa perte de balle. C'est bon, pas plus. Romain, repositionne-toi. Très bien. Et c'est Sacha qui récupère. Goldbergersen. Le centre en retrait. Bien suivi. Quel ballon de kick-off. Notre cher kick-off qui fait le taf. Et le centre en retrait. Belle frappe sans contrôle de Johan Mikkoudsen. 1-0. Et Rukawa. Corner, coup franc de Stan sur Rukawa qui se prend pas la tête. Et 2-0. C'est très bien, les gars. Deuxième colocu de Rosenborg. C'est con, ce match de Rosenborg U19 qui tombe en même temps que le match amical de la réserve. Et du coup, la réserve a chipé les joueurs U19 pour le match amical. Et c'est un match perdu bêtement. On aurait peut-être pu faire quelque chose face à eux. Voilà. Bah ouais, on va blesser un milieu centre. Et le défenseur central, bah, de toute façon, il était suspendu. Donc c'est pas grave. Continuez avec les blessures, Football Manager. N'hésitez pas. Allez-y. La castagne de vos grands morts, comme on dit dans le jargon. Juste calendrier. Un petit coup d'œil sur les entraînements, parce que ça me plaît pas trop ce qu'on prend là actuellement en blessure. Bah ouais, non mais. Un tactique. On va jouer les corners un peu cette semaine. Deux joueurs de champ. On peut jouer un petit peu en défense dans les airs, je pense. Aussi, c'est bien. On est dans un championnat où il y a quand même beaucoup de profils pivots ou physiques globalement, donc c'est jamais une mauvaise idée de jouer la défense dans les airs. Ça fait une semaine assez équilibrée au niveau des entraînements, je pense. On recrute Kevin Hunt en recruteur, quelqu'un qui a une expérience plutôt intéressante dans le sens où il était recruteur 4 ans à Manchester City et 5 ans à Liverpool. Donc voilà, puis c'est quelqu'un qui vient de Chatham.
Retour de Jean Carlos. Je suis impatient de le voir à l'œuvre, Jean Carlos. Notre Brésilien. Jean Carlos. J'ai l'impression que c'est un prénom dégueulasse français, quoi. J'adore. Je suis blessé. Ouais, de la Lambronne. La Lambronne, elle est dure cette saison, hein. C'est dur ce jeu. C'est dur. Ah, il est pas mal le petit Johan Mikkoutsen. Te rendrait flou. Ouais, je monte le 11. Tac, tac. Le 11 titulaire. On joue à Sarpsborg. Je ne vais pas passer en offensif sur ce match. Knudsen repasse. Hop. En défenseur, relanceur. Jean Carlos, à mon avis, sera un peu juste, mais normalement, c'est notre titulaire indiscutable ici. Ibrahimaj est blessé. Ça va être Ousmane Salé qui va prendre le rôle de MJR. Voilà. Voilà. Putain, c'est. Le jeu est un peu dur avec les blessures là. Sinon, voilà l'équipe type. Il y a juste qui est absent. Islan, normalement, qui joue à la place d'Ostigard. Et Ibrahimaj, normalement, en MJR à la place de Salé. Sinon, c'est cette équipe-là qui est présente dans les 11. Donc, au gardien, Sandro Rosbach, le plutôt connu gardien norvégien, jeune espoir. Bon, qui a fait quand même deux erreurs depuis le début de la saison. Une qui nous a pas coûté cher et la deuxième qui nous coûte le point du match nul face à Rosenborg. Vevatne qui a step up en termes de niveau. J'avais peur qu'il soit pas au niveau pour la première ligue norvégienne, mais il fait un très bon taf. Mon avis, vraiment à mon avis, merci, c'est notre mental par rapport à cette adaptation de niveau. Knudsen, très bonne recrue, ce cher Frédéric Knudsen. Que l'on a chippé à Haugesund pour 160 000 euros. Un bon défenseur relanceur. Bon. Il fait le taf pour le moment. Pourquoi il n'a pas des bonnes. Oui, c'est parce qu'il a fait. Merci, Zycoin, ou Zekwan, comme tu préfères. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Bah, le match de Rosenborg, il fait 6-8, mais il fait deux têtes d'ace. Et c'est un match à 10 contre 11. Par contre, face à Odd et Amcam, il fait un match à 7, un match à 6-8. C'est des bons matchs. S'il fait 3-4 têtes décisives par match, ça fera le taf. Pourquoi il est note aussi basse? Ah, il est défenseur relanceur, donc forcément prise de risque. 4 tirs encadrés à la limite. Ouais. Merci Lard pour les 100 bits. Salut mon Larette. Comment va? Très bon taf Knudsen. Très très bon taf effectivement. John Scarrow. Alors, t'es pas obligé d'avoir Internet Zekwan pour avoir FM19. Tu Steam, tu le mets sur Steam, tu le télécharges donc pour télécharger alors Internet. Mais dès que tu l'as sur Internet, tu allumes Steam en mode hors ligne et tu peux jouer à FM où tu veux, quand tu veux, sans connexion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut faire juste cette technique pour pouvoir y jouer. Ou même, enfin, si tu as l'icône sur ton bureau FM19, je pense que tu peux cliquer même sans avoir Internet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bienvenue à toi. Donc en défense centrale, Islan, le Brésilien, donc qui faisait du bon taf. Jusqu'ici, pas tant que ça à vrai dire. Là, il nous coûte cher face à Rosenborg. Il faisait un très bon match jusqu'à son expulsion. Il a été décisif sur son jeu de tête. Mais ouais, l'expulsion nous coûte cher. Donc du coup, Ostigard, lui, qui est un jeune défenseur qui nous est prêté par Brighton, il a été coupable d'une sorte de boulette. Après, quand je joue avec la Catenaccio, il y a l'exigence du jeu direct. Donc les centraux sont les premiers touchés par ce jeu-là. Mais bon, ça baisse leur note moyenne. Donc c'est compliqué de juger véritablement mes défenseurs centraux sur leur note moyenne. Un peu plus capable de juger Anderson Lewis, qui est. Ça dépaf. Je pense que quand je joue avec le 4-2-3 offensif, il peut plus briller.
Avec le défensif, c'est plus compliqué. Ça se voit sur sur les matchs hors saison où j'ai joué qu'avec le 4-2-3 offensif. Face à AMCAM, j'ai joué avec le 4-2-3 offensif. Et j'ai alterné sur les autres matchs. Et pour l'instant, moins à l'aise quand je le bride. Mais j'ai pas le choix. Donc, va falloir qu'il gère par rapport à ça au niveau de. Bah, surtout son travail défensif, en fait. Parce que du coup, on passe sur un DLD ou un DL soutien. Et forcément, c'est un peu plus exigeant défensivement. Voilà. Aitatman, formé au RC Lens. Ah, comment qu'il voit que je pata? Bah, il lâche me patator, hein, comme on l'appelle dans le jargon. Il a marqué beaucoup de buts déjà depuis le début de la saison. La bonne surprise, même si bon, je l'ai recruté dans le rôle de box-to-box, donc je savais sur où est-ce que j'allais avec lui. Mais ouais, patator est vraiment pas mal. Les deux pieds, c'est vachement pratique. Vachement pratique ces deux pieds. Ouais. Bonne soirée, Dib. Merci d'être passé. Merci beaucoup. C'est pas lui qui est titulaire, c'est Ibrahimaj. Ibrahimaj, notre Kosovar, présent depuis l'année dernière. Notre meneur de jeu en retrait. Très bon joueur. Très très bon joueur. Touche beaucoup de ballons. 7 passes clés, la vache. Ce que j'aime beaucoup, c'est lui, c'est bien évidemment ce 16 inspirations, quoi. 16 inspirations qui débloquent des matchs. Tenter des passes de loin, 16 inspirations, forcément. Quand tu as une tactique de contre-attaque et une tactique de Catenaccio, c'est juste génial d'avoir un joueur comme ça. Parce que lui, il est capable de trouver des pirlos. Il est capable de les trouver. Et il a le niveau technique. Ce 10 en décision, des fois, qui pêche un peu. Mais globalement, il débloque pas mal le jeu. Et c'est ce que je lui demande. Donc c'est très bien. À droite, Tripic. Notre meilleur joueur qui est au club depuis donc l'année dernière. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment très 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 bon, très très bon attaquant intérieur soutien. Des fois, il donne l'impression d'être limite créateur sur l'aile, quoi. Un peu MJA et tout. 2 buts, 3 passes D depuis le début de la saison en championnat. Il débloque pas mal, pas mal, pas mal le jeu. Il a tendance à croquer devant le but. Ce qui est pratique, c'est ce volume de jeu qui fait que il prend bien les espaces. Pardon. Et il est intelligent sur le terrain. Sterling à gauche, le fameux, tiens, ça va plaire évidemment à la Rétiane. Kasaya Sterling, considéré comme le nouveau Michael Owen. Eh oui, à Viking, ce jeune anglo-jamaïcain, considéré comme le nouveau Michael Owen, que j'aime bien. Il a marqué un but du cul d'ailleurs face. Face à Odd, qui nous permet de gagner 3-2. Je l'ai fait un peu jouer tous les rôles. Forcément, ça, c'est un peu moyen dans les notes moyennes. Moyen dans les notes moyennes. Moyen, de manière générale. Mais j'ai plutôt bon espoir de faire. Bah, je préfère le faire jouer à gauche, mais je crois qu'il préfère jouer à droite au vu de ses notes. Donc, ouais, mais les deux aiment bien jouer à droite. Donc, il va falloir trouver une solution. On verra, je tenterai un switch. Je vais le faire maintenant. Jean-Carlos, ben, ça c'est la mauvaise nouvelle entre guillemets. C'est un joueur qui, à mon avis, est très bon. Mais malheureusement, depuis qu'il est arrivé au club, il a des problèmes de dos. 2 blessures de 3 semaines enchaînées. Et c'est assez paradoxal. Parce que ce n'est pas un joueur vulnérable aux blessures. Donc, j'espère que ces blessures vont être maintenant dans son dos. Et enfin, celui que j'aime beaucoup, 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 Federico Palacios, prêté par Nuremberg. Un buteur créateur vraiment que j'adore. Très bon finisseur d'ailleurs. J'aime beaucoup ce joueur. Je pense qu'il va être assez sympa. Quand j'ai eu besoin de faire un énorme changement de tactique par rapport aux blessures, il a joué MJR. Et en MJR, il est monté à 3 passes clés, 110 ballons. Il a joué milieu offensif, qui n'est également pas son poste. Il termine avec 3 passes clés, 1 but. C'est un couteau suisse. Et c'est un buteur créateur. Un vrai, vrai buteur créateur, quoi. C'est exactement ce que je voulais. Et ses stats. Enfin, je ne peux pas les stats cachées. Ses gestes techniques préférés qui sont géniaux, qui sont absolument parfaits,
C'est une excellente surprise, Federico Palacios. Donc voilà pour le 11 titulaire des. Ah, j'ai franchement, c'est rare parce que c'est vraiment pas ma spécialité, le recrutement et les transferts. Mais j'ai rarement tapé aussi bien dans les recrues. Alors que paradoxalement, j'ai pas pris autant de temps que David. Putain, les 5h15, je vais couper. Je vais pas avoir le temps de faire le prochain match, les gars. J'ai pas vu l'heure. Je vais couper là. Putain, je vous ai parlé. J'ai pas vu le temps passer encore aujourd'hui. Et malheureusement, je vais devoir couper. Donc voilà pour cette équipe. Voilà pour le stream d'aujourd'hui. Putain, j'ai absolument pas vu le temps passer. C'est incroyable. Ah bah, le nouveau Michael Owen. Bon, pas en termes de blessure, hein, c'est toujours ça, mais. Donc voilà. Ah, tu l'avais eu, Kazaia Starling? J'ai pas fait exprès, Jack, mais bien vu. Ouais, je suis bien mauvais, je m'éclate en fait. Je m'éclate pas mal là sur FM. Et en fait, je prends vachement du plaisir en fait. C'est ça qui est bien. Donc voilà pour vachement de plaisir. Voilà pour le stream d'aujourd'hui. Des super matchs amicaux, un super début de championnat. On a fait bien évidemment la classique en coupe, énorme rotation. On a fait jouer des U19. On a fait jouer Romain, Sim, Pierrot, des gars du chat. On a perdu 2-0. Ce n'est pas grave. La seule déception, c'est qu'on ne pourra pas les revoir en coupe cette année. Et tactiquement, bon, tactiquement, la victoire à Aude avec le but de Palacios à la fin sur le changement tactique entre Sterling et Palacios qui fait la différence, ça m'a fait un énorme plaisir sur ce match. Énorme, énorme. Et ce match face à Rosenborg qui fait mal sans faire mal, quoi. On fait un match exceptionnel, on mène 3-1 face à ce club historique de Norvège. Il y a l'expulsion d'Aislan qui intervient 46-69 extrêmement rapidement en plus. Et derrière, bah, on a un de moins, quoi. On est un de moins, on essaye de tenir, mais ça craque. Et après, l'arbitre qui dit 3 minutes de temps additionnel et on le prend ce but à la 94e. Ça se frappe dans un premier temps je crois que c'est une frappe de Djebali. Frappe contrée par mon défenseur droit. Ça revient plein axe à 16 mètres alors qu'on est deux dans les pieds de Jensen qui frappe sans contrôle et ça fait but. Tactiquement, le plan de jeu était plutôt bien fait. Ça va vite le foot. Une expulsion et on compense pas le manque derrière et ça craque. C'est dommage. Il y a des regrets à avoir, mais bon. C'est des regrets face à Rosenborg. Donc c'est pas grave. Voilà. Faut qu'on. On va d'abord viser, voilà, la 13e place. Et après, on prendra tout le bonus qu'il y aura à prendre. Le chemin est long et semé d'embûches. Voilà, c'était une équipe qui était triple championne de Norvège. Donc il y a un certain niveau, c'est un très très bon résultat. Et on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Après, l'avenir nous dira de quoi nous allons. De quoi nous allons. Voilà. J'ai pas de faim, je n'ai pas de faim, absolument pas de faim. Les U19, je termine avec vous, les gars, quand même, et c'est des bonnes prestas là. Hein. Du Pierrot à 7,38, du Arvola à 7,22, Romain à 7,16, Begno 7,15, Stan 7,15, Monsieur Chapati 7,08, Johan Mikkoudsen 7,07. Il n'y a que Arcro, hein, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, 6,64, Foulosas et Goldberger, les buteurs, tige 1, tige 2, 6,68, 6,70. Globalement, qu'est-ce qu'on a à retenir? Rosenborg est devant nous, mais on est bien deuxième en U19, deuxième en équipe première, c'est des super performances. Donc voilà, j'en profite, je le fais maintenant. Alors, vous pourriez. Pardon, c'est pas ça que je veux faire. Vous pourrez rechecker sur le workshop. Exportation de l'affichage en cours. Touma Squad View. Publié dans Steam. Affichage Touma Squad View exporté. On est d'accord, vous l'avez tous vu à l'écran comme moi.
Donc, en théorie, pour ceux qui veulent mon squad view, c'est disponible. Et voilà. On va arrêter là-dessus. J'ai envie de chialer quand tu parles comme ça, mais bien sûr. Donc voilà, je laisse le stream à la Rétienne hein, qui part sur un stream 24 heures comme d'habitude après mon stream. Hein, quoi? Elle est en submergée par le travail, la Rétienne. Ah, je suis pas au courant, hein, quoi? Et donc c'est la fin, messieurs. Voilà pour le stream d'aujourd'hui. Bah, prochain stream, il y aura des matchs intéressants. Il y aura du Molde-Lillestrøm à enchaîner qui va faire mal au moral. Et puis voilà, le retour de Jean-Carlos qui, bah, j'espère, aura l'occasion de briller. Et puis voilà, voilà pour aujourd'hui, messieurs. It is the end. Merci à tous pour aujourd'hui. J'ai pas. Merci à tous les nouveaux followers. 4-5 nouveaux follow, je crois, aujourd'hui. Merci à l'art pour ses 100 bits. Merci beaucoup, mon grand. Merci de ton soutien. On s'arrête là-dessus. L'article est marqué comme caché. Merci en tout cas, merci Jomo de m'avoir précisé. Pourquoi... Je suis pas en caché, je suis bien en public. Bon, j'ai retesté, j'ai fait la petite modif. Vous me direz si vous le trouvez. Je vais couper là-dessus. Merci, merci vraiment encore à tous pour aujourd'hui. Demain, je ne stream pas demain parce que je m'occupe de ma chère et tendre petite Rose. Je passe la journée avec elle, donc ça va faire du bien, une petite coupure aussi. Bien profiter de ma fille. Donc, ce sera un retour jeudi. Jeudi, jeudi, jeudi. J'essaye de faire mes courses pour le camion. Jeudi matin, comme ça jeudi après-midi, tranquille avec vous pour continuer l'aventure avec Viking. Et puis voilà, ça sera bien. Bonne soirée, messieurs. Comme d'habitude, plein de buts, plein de victoires, plein de bonnes choses sur l'FM. Oui, Aïta, oui. Je me souviens. J'ai dit Aïta, Amachi ou des choses comme ça. Je me souviens de 2-3 trucs en basque. Mais Amachi, c'est la mère ou la grand-mère. Et bref. Je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma fille. On se retrouve jeudi, messieurs. Comme d'habitude pour les réseaux sociaux, ToumaFM sur Twitter, T0UMAFM, sur YouTube, T0UMA, et le blog justundernierMatch.wordpress.com. Il faut que j'écrive un article et que je me sorte les doigts. On essaiera de trouver un petit créneau pour ça. Merci à tous. Ciao. À très vite. Bisous. Au revoir. Bonne soirée.